Bien le bonjour YouTube, j'espère que tu vas bienvenue pour cette nouvelle rediffusion de live. Nous sommes le 30 novembre 2022, il est 20h30, seule fois de ma vie que je pouvais dire cette phrase. On se retrouve pour l'épisode... Un épisode certain sur Professeur Layton. On va continuer l'histoire et on va découvrir un nouveau chapitre. Avant-hier, on a vu la jeunesse de Layton et ce qui s'est passé. Et on se rapproche de plus en plus du dénouement, donc du possible décès, de la possible mort, enfin... Oui, possible, oui. Je continue à croire que peut-être qu'il n'est pas mort, de l'ancien ami d'enfance de Layton. Hop là, je coupe la musique, je vous ouvre ceci. Et donc là, on va revenir dans le présent et on va continuer à faire notre enquête sur le gars qui fait des miracles, entre guillemets, dans la ville, qui pétrifie des gens en pierre, qu'il arrive à marcher dans le ciel, il arrive à faire des trucs précédemment. Alors... Depuis l'incident de la lévitation, donc, qui a eu lieu devant le musée de la veille, non, qui a eu le musée la veille, Alphonse Dalston est en garde à vue. C'est qui déjà? C'est lui, je crois, Alphonse Dalston. Il s'est fait accuser alors que c'était pas lui. Ensuite, le professeur se rend à la mairie pour s'enquérir de sa situation. Allons voir ça. Let's go. Donc du coup, on est ici et on va enquêter sur Dalston à la mairie. Donc on peut repartir en arrière. C'est vrai qu'en fait, on avait pris le stream précédent avant-hier. En fait, on a pris peut-être une heure ou deux heures en fait à rattraper toutes les énigmes de retard que j'avais. Il y en avait 18 à faire. Ça nous a pris un bon petit moment. La mairie, elle est en haut à droite. On nous l'avait dit. Excuse-moi, tu ne me dis rien, toi? Ah si, peut-être, mais il avait un ballon bleu-blanc-rouge, ça m'a sauté aux yeux, je me suis dit, je l'avais jamais vu. Vous avez entendu parler du parc épique et du... Épique et collégra... Ah si, c'est celui qui parle comme ça. Le parc d'attraction, n'est-ce pas? As-tu entendu parler de ce qui allait s'y passer ce soir? Parce que le prochain miracle se passera au parc épique. Mais miracle, en général, c'est une catastrophe, quoi. Enfin, c'est un truc qui tourne mal. Le maître du masque va faire un autre prodige. Voilà, pas un miracle, un prodige, pardon. C'est le masque des miracles, mais il fait des prodiges. Tout le monde en parle déjà, ça sera la panique ce soir. Ça, c'est marrant aussi, le fait que la ville entière sait que les prodiges, ça se passe mal, mais tout le monde va voir à chaque fois, du coup. Une grande roue qui s'écrase sur les gens, t'es bien placé pour savoir ce que c'est, ça, Luc. Je crois que je vais rester chez moi. Ok, de toute façon, tu nous intéresses pas, t'avais pas un dialogue important. Continuons, direction la mairie. On y va, ça va? Tout le monde à l'aise dans le chat? Tout le monde pépère? La mairie est juste ici. Oui, la mairie, je me rappelle. Bonjour, là, il y a machin, il y a machin BG. Alors, expliquez-nous, dites-nous tout, qu'est-ce qui se passe. Professeur Layton, je suis content que vous ayez pu venir. Nous sommes sur le point de poursuivre l'interrogatoire. Pouvons-nous y assister pour l'interrogation? Avec plaisir, deux têtes valent mieux qu'une, comme on dit, surtout quand les enjeux sont si importants. Bon, Dalston. Ah oui, c'est vrai qu'il y a... Monsieur Tourpe, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Qu'est-ce qui vous a poussé à commettre ce crime? Donc lui, il est accusé, mais on sait que c'est pas sa faute. Hein. Combien de fois faudra-t-il que je vous dise que je suis innocent? Vous ne feriez pas mieux de continuer votre enquête plutôt que de me harceler? Je suis innocent, c'est pas moi. J'ai entendu ce refrain au moins 100 fois. Ça ne prend pas. Nous savons que vous vous êtes servi d'un char tiré par des chevaux pour votre comédie des statues. Un char de course, pour être exact. On a trouvé des traces sur le lieu du crime, des tas de traces. Alors à quoi vous a-t-il servi ce char? À vous enfuir? À embarquer vos complices? Si vous avouez vos crimes et donnez le nom de vos complices, le juge fera preuve de clémence. Je ne vois pas de quoi vous parlez, je n'ai rien fait. Arrêtez votre petit jeu, Dalston, on sait que vous possédez un char. C'est quand même une sacrée coïncidence, non? Ah oui, ça, en effet, c'est une coïncidence. Franchement, vous feriez mieux de régler ça avec le gérant de l'hippodrome. C'est lui le spécialiste des chars. Quel intérêt j'aurais à semer la panique dans cette ville, hein? Mes affaires dépendent du tourisme local. Alors comme ça, vous refusez de coopérer? Très bien, Dalston, on va employer la manière forte. Nous avons mené l'enquête, figurez-vous. Aucun char de l'hippodrome n'a disparu. Ces engins valent une petite fortune, vous êtes le seul habitant de Dorémont qui possède son propre char de course. Nous connaissons aussi votre mobile, hein. Vous avez agi car vous étiez rongé par la jalousie. Marissa Dumont a refusé de vous épouser et vous avez voulu vous venger en causant du tort à son mari. Vous ne pouviez pas accepter qu'un ancien majordome fasse fortune et épouse la femme que vous convoitiez. Inutile de nier, Henri Dumont nous a tout raconté. Dumont a dit ça. Oh, quelle espèce de... Inspecteur, le commissaire a parlé de traces laissées lors de l'incident des statues. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? Il s'agit d'une mise en scène très habile. L'auteur des faits a utilisé des statues réalistes et un char de course.
Il a aussi sans doute joué sur la psychologie de masse. Les gens sont vite devenus hystériques. Il n'est pas difficile d'utiliser la foule à son avantage lorsqu'on a besoin d'une distraction. Il aurait suffi par exemple que quelqu'un feigne un malaise pour que l'attention se focalise autour de lui. Exactement. Et pendant ce temps, d'autres complices avaient le champ libre pour amener des statues sur un char. Une fois les statues en place, ces mêmes complices se sont probablement mis à crier que des gens avaient été pétrifiés. Dans la panique ainsi créée, tout le monde a oublié la personne qui se sentait mal et chacun a préféré fuir. Voilà, parce qu'en fait, on essaye de prouver que tous ces prodiges, en fait, c'est des mises en scène. D'un coup, on arrive, il y a des gens pétrifiés, voilà. Il y a plein de témoins qui disent « Ouais, il était là » et puis d'un coup, il était pétrifié. On essaye de comprendre le pourquoi du comment, on reste rationnel et on essaye de deviner comment ça a pu se mettre en place. Donc moi, j'imagine que c'était des acolytes qui faisaient croire qu'ils étaient là et puis du coup, dans la panique, ils ont mis des statues de pierre, les représentants, ils sont partis, je sais pas encore. Dans leur fuite, ils n'auront pas manqué de voir des statues, ce qui n'a fait qu'ajouter à la peur. Très juste, professeur. Professeur, je ne comprends rien, nous n'avons pas vu de char ce soir-là. Personne ne s'est aperçu de rien, je me demande comment ils ont réussi à porter des statues sur place. Parfois, Luc, l'arbre cache la forêt. Elles étaient cachées dans le seul endroit assez vaste pour les contenir, et cet endroit, nous l'avons tous regardé. Mais de quoi parlez-vous, professeur ? Tout était caché dans le ballon géant en forme de clown, celui qui était allongé sur la route, là, dégonflé. Comment ? Lui-même. Nous avons tous vu le ballon passer, mais nous ne l'avons pas regardé tout le temps. On l'a vu, mais on l'a pas remarqué, c'est ça que tu veux dire ? Mais nous avons vu le ballon flotter, comment pouvait-on cacher des statues dedans ? Il devait être rempli d'hélium. En réalité, je pense que ce sont surtout les petits ballons auxquels il était attaché qui le soutenaient. D'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, le clown s'est écrasé au sol dès que ses ballons porteurs ont éclaté. Ah, donc il n'était pas gonflé, il y avait des choses cachées dedans. Nous avons trouvé des traces de roues. Nous pensons qu'elles correspondent à un char de course qui était dans le ballon alors. Ce char, tout comme les statues, aurait été caché, puis déployé. Une telle mise en scène a dû demander un investissement financier conséquent. Vous soupçonnez donc Dalston à cause de sa fortune ? En effet, non seulement le matériel coûte cher, mais en plus les complices ne travaillent pas gratuitement. Les faits sont parlants. Il est accusé parce qu'il a de l'argent, c'est fou. Alphonse Dalston a un mobile et des moyens financiers conséquents. En outre, il possède un char de course, un véhicule dont les traces pourraient correspondre à celles qu'on a trouvées. Tant que Dalston sera en garde à vue, je doute fort que le maître du masque ose réapparaître. J'espère que vous ne vous trompez pas. De la façon dont je vois les choses, nous sommes à deux doigts de mettre un point final à toute cette affaire. Et si, contre toute attente, le maître du masque réapparaît ? Alors nous devrons revoir notre approche. Mais s'il apparaît, je l'interrogerai peut-être sur le masque de l'ordre. Et oui, les deux masques. Intéressant. En attendant, si vous le voulez bien, nous allons poursuivre notre enquête. J'aimerais bien voir ces fameux chars de course de mes propres yeux. Je compte me rendre à l'hippodrome. Aucun problème, si vous trouvez d'autres preuves contre Alphonse Dalston, pensez à me tenir informé. Nouveau mystère. Curie, ça blablate dans ce jeu. Ça blablate pas mal, effectivement. Poursuivez l'enquête. Mais j'ai pas de chemin particulier. Waouh, vous allez me lancer dans la... Ils vont pas me lancer dans la ville comme ça, en mode parler à tout le monde. Oh ah non, il y a peut-être un blabla qui va me diriger quelque part. Nous avons besoin de plus de preuves pour convaincre le commissaire. Bon, on va aller voir le clown. La police a établi qu'un char de course avait été utilisé. J'aimerais que nous essayions de le retrouver. Monsieur Dalston semblait penser que ce char venait de l'hippodrome, mais le commissaire a l'air sûr du contraire. Quelque chose a peut-être échappé à la police, j'aimerais aller enquêter à l'hippodrome. Après tout, qui ne tente rien à rien. J'ai repéré l'hippodrome sur une carte à l'hôtel, il est au nord de la mairie. Oh ! Nouveau lieu débloqué. Dans ce cas, je propose que nous y allons de ce pas. Très bien, allons-y alors, allons voir ça. Allons découvrir ça. Merci beaucoup à Iran Luc et Arisol pour son 5e mois. Bon stream à toi, merci à SK Normali. Gary Sub pour son 11e mois. Tu me suis depuis genre 2017, putain. 5 ans, bientôt 6, merci beaucoup. Merci, c'est super gentil de me dire ça. Donc, ici, nous avons un nouveau lieu, donc potentiellement des nouvelles énigmes. J'aimerais bien une énigme, là. J'aime bien quand on commence le live avec une petite énigme. Pas trop dur, parce que pas l'énigme sur laquelle on reste bloqué pendant 4 heures. Toi, t'as une énigme. T'as pas d'énigme. Je suis déçu. Des casinos fantastiques pendant la journée et by night, le show du maître of the mask. Cette city est géniale, je suis arrivé il y a quelques jours seulement, mais c'est trop exciting.
La police a arrêté un suspect, il pense que le maître du masque ne réapparaîtra plus. Mais c'est juste un rebondissement. Toute cette story est loin d'être terminée. Le maître of the mask n'est pas on the touche. Il va bientôt faire son comeback. Mais vous vous réjouissez à l'idée qu'un autre crime soit commis? Of course! Ah, embarquez-moi ça pour voir. Je profite de la life avant qu'il ne soit trop tard. Je ne crois pas que j'arriverai à apprécier quelque chose qui effraie tout le monde. C'est ton problème, Kido. Kido? Ok. Ce n'est qu'en appréciant le maître of the mask à sa juste value, qu'on peut vraiment aimer cette city. Mademoiselle, nous sommes ravis de vous voir profiter autant de votre séjour. Ouais, un peu vite fait quoi. Allô? Waouh, cet hippodrome est immense. On peut presque y sentir la folie des paris. Allez, on va y aller. Ah, il fallait que je le... Ok. Alors, on y va. Je viens d'y penser, mais ça va être serré niveau LSP si Layton ne se finit pas vite. J'en suis conscient. Waouh! Ces gens sont vraiment survoltés. Quelque chose me dit que cette euphorie ne va pas durer longtemps. Oh, bon sang! Qu'est-ce qu'il a? Eh bien, je crois qu'il a perdu. Il est un peu à l'ouest, le petit Luc. On dirait que certains chars sont utilisés pour les courses, professeur. Nous pouvons toujours demander à voir la remise où ils sont normalement rangés. Oui, pour ce faire, nous devons trouver le gérant de l'hippodrome. S'agit-il de cet homme? Oui, cet homme-là. Pardon, cet homme-là. Moi, je cherche les énigmes. Ou les pièces, oui, c'est bien l'argent aussi, des fois. Ah! Une énigme! Ça y est, je suis content. Regardez-moi ce désordre, pourquoi personne ne fait rien? On va arranger ça avec l'énigme, ne t'inquiète pas. Alors, c'est l'énigme avec les animaux qui se sautent par-dessus, hein. Revoilà les lapins de bois. Les règles n'ont pas... Alors, attention, voilà. Les règles n'ont pas changé. Un lapin peut se déplacer qu'en sautant horizontalement, verticalement ou en diagonale par-dessus un autre lapin. Un lapin peut sauter par-dessus plusieurs lapins à la fois. Tous les lapins par-dessus lesquels un lapin a sauté changent de couleur en respectant ces règles, transformer tous les lapins blancs en lapins bruns. D'accord. Donc la blague, c'est que... Hop. Clac. Non, en fait, c'est nul ce que je fais. On va faire ça. Clac, 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 clac. Bah, en fait, j'ai réussi. Oh, c'était pas si dur que ça, au final. Let's go! J'ai gagné! Merci pour le GG, ça, là. Merci pour les GG, le chat. Oui, ça va. C'était plus facile que l'autre avec les... Bah les lapins aussi, mais j'avais beaucoup plus galéré à la première énigme lapin. On a bien rangé. Alors monsieur machin qui a aussi une énigme, c'est formidable, je suis content, ça commence bien. Bonjour, j'ai zozoté sans faire exprès, c'est très rare. Bonjour, je m'appelle Gustave, je suis le responsable de cet hippodrome, en quoi puis-je vous aider? Je m'appelle Herschel Layton, Marissa Dumont m'a chargé d'enquêter sur le maître du masque. Puis-je vous poser quelques questions peut-être? Je vous aiderai avec grand plaisir, mais à une condition, vous devez résoudre cette énigme à ma confection. Bonsoir Farod et à tous et à toutes. Bonsoir Kamatayon04. J'espère que tu vas bien. Ah l'écran, pardon, là, mais ça va, c'est pas grave. On aura besoin de cet écran pour l'énigme, mais j'irai d'y penser de changer ça pour juste après. Merci beaucoup Atomic YouTube 14 qui a resub pour son 11e mois. C'est pas mal, c'est beaucoup 11 mois. Un jour, quatre amis ont organisé entre eux une compétition hippique. Et épique. Ils ont commencé par s'affronter deux par deux et lasser ses chaussures. Les perdants ont ensuite couru l'un contre l'autre avant que les vainqueurs ne fassent de même. Déterminez le classement final à partir des commentaires suivants. Alors, ils se sont affrontés deux par deux. Les perdants ont ensuite couru... D'accord, on a fait ok, 2-2, les perdants en bas et les gagnants en haut. Ok. Donc, ce texte, on va le mettre au-dessus. Donc, on a 1, 2, 3, 4. Alors, le A, il dit, j'ai gagné une course et perdu l'autre. Donc, il est soit 3, soit 4. Attends, j'ai gagné une course et perdu l'autre. Donc, il a gagné, bah, il est deuxième. S'il a gagné la première, il part chez les gagnants et il perd en finale des gagnants. D'accord. Le B, je ne suis pas allé en finale. Donc, tu es soit 3, soit 4. On va dire 3 pour l'instant. Le C, je suis contente d'avoir battu A. Donc, si tu as retrouvé A en finale des gagnants, tu es la première. Le D. Oh non, j'ai perdu face à B. C'est vraiment facile. C'était une énigme à combien de picarates, c'est ça?
Attends, c'était 10 picarades, c'est pas possible. Je suis ravi 30. D'avoir relevé le défi. Putain, c'était vraiment pas compliqué. Il y a des fois des énigmes, elles sont hyper balèzes, vraiment, trop dures, j'arrive pas à comprendre la logique, je suis perdu, je fais 1000 essais, le jeu il me tend des pièges et tout, et puis il y a des énigmes, c'est la réponse est clairement dans la question, quoi. Bon, je vais pas m'en plaindre. Savez-vous s'il s'est passé quoi que ce soit d'inhabituel ici à l'hippodrome avant l'incident des statues? Quelque chose d'inhabituel? Non, rien n'est venu perturber notre routine. A-t-on fait sortir des chars de l'hippodrome ces derniers jours? Non, du moins je ne crois pas. Mais pour être franc, j'ai déjà bien assez de travail, je ne me préoccupe pas vraiment des chars. Tout ce que je peux vous dire sur eux, c'est que ce sont de robustes véhicules et que nous en prenons le plus grand soin. Nous aimerions bien les voir d'un peu plus près. Sont-ils tous utilisés pour les courses en ce moment? Non, nous en avons encore quelques-uns dans la remise. Ils sont juste là. La remise n'est pas très propre, faites attention où vous mettez les pieds. Direction la remise donc. Ou alors t'es hyper chaud ce soir. Non, 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 je pense vraiment que les deux énigmes que j'ai fait jusqu'à maintenant étaient pas si compliquées. L'écran. Je suis une merde, vous pouvez le dire dans le chat. Pharaoh de la merde, mais en un seul mot. Pharaoh de la merde, tout écrit, parce que si vous écrivez Pharaoh espace tuer espace une merde, le bot il va capter que le mot merde est un mot interdit, il va vous ban. Voilà. Par contre, Pharaoh de la merde en un seul mot, ça vous avez le droit. Allez-y, vous pouvez le faire. Ce serait donc un char de course que ce genre... De ce genre qui aurait été utilisé lors de l'incendie des statues. Du coup, les modos, vous me bannissez lui. Comment, d'où vous laissez passer ça, les modos? Vous foutez quoi, les modos, là? Allez, vous me ghost ban tout ça, là. Vous bannez-moi ça, les modos. Hop, hop, hop. Ban général. Eh, venez, on ban tout. Venez, on repart sur de bonnes bases. On ban tout le monde. On remet tout le monde à égalité. Let's go. Alors, il faut que je désamorce vite parce que je connais les modos. Eux, ils attendent qu'une chose. C'est de le faire. Non, je rigole les modos, on ne banne personne. Évidemment. Évidemment. Une blague, évidemment, on adore rire. Non, bannez pas. Et voilà, tout le monde est ban. C'est terrible. J'ai pas pu... J'ai... La blague qui va trop loin. Alors, oui, ça a l'air solide. J'imagine qu'on pourrait l'utiliser pour transporter des objets très lourds. Un seul de ces chars pourrait suffire à transporter plusieurs statues à la fois. C'est pas fou. Regardons celui-ci de plus près. Ce véhicule est tout de même lourd et encombrant, s'il serait difficile de le faire sortir de l'hippodrome en passant inaperçu. Peut-être que quelqu'un l'a tout simplement conduit jusqu'au lieu du crime. J'en doute, cela aurait laissé des traces et la police n'a rien trouvé de tel. En plus, il aurait sans doute fallu utiliser un cheval, ce n'est pas très discret. Mais tiens, il y avait des chevaux en plus sur la scène de crime. Professeur, qu'avez-vous vu? Regardez cela d'un peu plus près. Il est possible de démonter ce char en retirant ses deux pièces. J'imagine que ce serait un bon moyen de le transporter sans attirer l'attention. Il suffirait simplement d'acheminer les pièces à l'endroit voulu et de le rassembler le char sur place. C'est donc comme ça qu'un char s'est retrouvé sur le lieu du crime. Mais attendez, je ne comprends toujours pas comment le criminel a pu faire sortir le char de l'hippodrome. Le personnel aurait bien dû remarquer quelque chose. Très bonne remarque, Luc. Allons poser d'autres questions à Gustave. Ouais, d'accord, pourquoi pas. Oui, des chevaux, qu'est-ce qui se passe? Vous dites quoi, vous? Merci Maxime. Maxime Snib qui a se mentir 1. Pour la première fois de sa vie, bienvenue à toi. Gustave, ces chars sortent-ils parfois de l'hippodrome? Pour une raison ou pour une autre? Eh bien, les chars sont parfois envoyés en réparation ou en révision. Le reste du temps, ils sont ici. Chaque char est numéroté et toute demande de réparation ou de révision est approuvée par monsieur Dumont. Je prononce le L de cheval. Ah, des chevals! Ah, mais non, je crois pas, hein. Je crois qu'on dit juste des chevals, pas des chevals. Je crois que c'est on appelle ça un S muet, tu sais. Des chevals, non, ça me dit rien. Non, non, c'est des chevals. Ou alors c'est une différence entre le nord et le sud de la France, peut-être. Peut-être que là-bas, vous, au nord, vous dites des chevals. Des chevals? Avec un accent sur le E? Non. Non. Des chevaux? Non mais toujours plus, qu'est-ce que vous racontez? Des chevaux? Et des cheveux aussi, non? Voulez-vous voir le registre? Si cela ne vous ennuie pas, oui. Pas le moins du monde. Très beau registre. Intéressant. Avez-vous trouvé quelque chose? L'un des chars de course était justement en révision lors de l'incident des statues. Il n'est revenu qu'hier. Je sens que ça s'énerve dans le chat. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'un modo veut peut-être
faire un sondage pour rétablir la vérité? Des chevals? Des chevals? Des chevals? Des chevox? N'hésitez pas. Alors, ne me dites pas que vous y voyez un lien avec ce terrible maître du masque. Je n'exclus aucune possibilité, cela pourrait être une simple coïncidence. Tiens, Henri a approuvé la demande de révision. Allez-y voter, le sondage est en ligne, je vote. Putain, vous êtes beaucoup à dire des chevals. Arrêtez, vous allez me faire douter, moi j'ai toujours dit des chevals. Pourquoi vous prononcez le S? C'est bizarre, on dirait un mot chevals, chevals, Manuel chevals. Je sais pas, c'est bizarre. Ça fait pas très français, chevals. Bien, ça sonne un peu espagnol. Ah, peut-être chevals. C'est ça qui forme le mot la valse, la danse, valser. Le verbe chevalser. Oh putain, attends, je tombe de haut là, je suis en train de remarquer un truc que j'avais jamais capté. Chevals. Mais j'entends jamais personne dire chevals, même dans les films et séries, j'entends tout le monde dire cheval. Des chevals. Des chevals. Qui disent chevox, mais vous êtes tarés, vous. Et faut revenir sur terre un peu. Faut arrêter les réseaux sociaux et se faire endoctriner des chevox. Des veaux, si tu veux. Des veaux, la vache, mais c'est aucun rapport avec le cheval. Des chevals, 35%, et des chevals, on est que 14%. Ça doit être une exclusivité de Montpellier de pas prononcer le S. Faudra demander à quelqu'un qui s'y connaît dans le métier, un littéraire, le mec qui a créé le dictionnaire Larousse ou un truc comme ça. Merci Sieur Marthe qui a son Prime pour la première fois de sa vie, bienvenue. Merci Kamatayon04 pour les 2 mois de resub, c'est très gentil. Il faut pas prononcer le X. De quoi? De chevox? Mais pourquoi Alors du coup ça fait quoi? Ça fait chevahu? Chevahu! Des chevahus. Allez, c'est bon. Encore mieux. Encore mieux. C'est la procédure. Aucun véhicule ne quitte l'hippodrome sans son accord. Quel dommage que vous ne soyez pas venu quelques minutes plus tôt. Vous auriez pu lui parler directement. Henri était ici. Que quoi? Oui, je crois qu'il venait tout juste du lieu où s'est produit l'incident d'hier. Si je ne m'abuse. On a retrouvé du tissu noir sur la place des Arts. Il voulait s'entretenir avec le conservateur à ce sujet. Il se trouve que les œuvres dont Monsieur Dumont a fait don au musée étaient enveloppées dans un tissu similaire. Du tissu noir. Intéressant. Merci Gustave, vous nous avez beaucoup aidé. Je pense que nous devons nous rendre à la villa des Dumont. Je suis d'accord, nous n'avons pas encore eu l'occasion de discuter avec Monsieur Dumont. Professeur, il risque d'être occupé, vous ne croyez pas? C'est fort probable, mais il faudra bien qu'il nous reçoive, nous enquêtons à la demande de sa femme après tout. Très bien, alors on repart. Ah, il se passe quelque chose. Un char était en révision au moment de l'incident. Je doute fort qu'il s'agisse d'une simple coïncidence. Vous allez trop vite, Amy. Nous devons considérer toutes les possibilités. Luc n'a pas tort, tant que nous n'aurons pas de preuves déterminantes, nous ne serons sûrs de rien. Toutefois, notre visite de l'hippodrome n'a pas été vaine. Elle aura permis d'élucider le numéro de lévitation d'hier. Ah bon? Je répète, ah bon? Professeur, votre langue a-t-elle fourché? Vous vouliez sans doute parler de l'incident des statues. Non, je voulais bien parler du numéro de lévitation, je vous expliquerai tout plus tard. Et Luc, il est bloqué comme ça. Et moi, j'ai un truc à dire, en fait, est-ce que vous pouvez m'écouter? Pour l'heure, nous devons nous rendre chez les Dumont et parler à Henri. J'espère qu'il voudra bien nous recevoir. Moi aussi, Luc. Bah oui, il va nous recevoir. On a un mandat. Let's go. Allez, on y va. C'est là-haut. Alors. Merde, non, c'est pas du tout, c'est par ici, en fait. Bon, il est où? Qu'est-ce qu'il fait? Raconte-moi tout. Merci, Evils Spirit. Spirit 22, qui a son Prime. Pour la première fois de toute sa vie, je te souhaite la bienvenue. Marissa, nous aimerions nous entretenir avec Henri. Est-il là? Oui, il vient tout juste d'arriver. Ça, c'est une bonne nouvelle. Si vous voulez bien patienter, je vais le chercher. Merci. Eh ben, patientons. Oui, ils avaient tous les trois le dos en l'air, on l'a vu. Sacré Henri. Alors. Permettez que je vous offre le thé, professeur. Merci beaucoup, Henri.
Je vous en prie. Je préfère servir moi-même nos hôtes de marque. J'espère que vous ne m'en voulez pas de ne pas vous avoir reçu plus tôt. Pas du tout. Mais dis-moi, Henri, la vie semble t'avoir souri. Ce que tu as accompli ici est tout à fait remarquable. Oh, mais je n'ai vraiment aucun mérite. J'ai eu de la chance, c'est tout. Il a vraiment un regard de méchant, hein. Vraiment. Que me vaut l'honneur de votre visite ? J'aimerais te poser quelques questions. Est-il vrai que tu possèdes l'hippodrome de Doraemon ? Oui. Pourquoi ? Les preuves tendent à montrer qu'un de vos chars de course a été utilisé lors de l'incident des statues avant-hier. C'est tout à fait grotesque. Ces chars ne peuvent quitter l'hippodrome sans mon accord. Chaque char a un numéro de série qui est inscrit au registre si le véhicule doit être sorti. C'est exact, mais cela veut aussi dire que tout véhicule peut être sorti dès lors que tu as donné ton autorisation. Qu'essayez-vous de dire ? Ça me paraît pourtant clair, monsieur Dumont. Tout simplement que selon le registre, un char n'était pas à l'hippodrome ce soir-là, et ce, avec ton accord. Le char a été envoyé, en révision, et n'est retourné à l'hippodrome que hier. Les traces trouvées sur le lieu du crime correspondent à un véhicule de ce type. Voilà une nouvelle plutôt perturbante. Ce n'est pas tout. J'ai des raisons de soupçonner que tu as joué un rôle dans le numéro de lévitation qui a eu lieu hier. J'espère que vous plaisantez. Pour faire croire qu'il marchait dans le vide, le maître du masque a utilisé une corde tendue entre le chapiteau et le musée. Or, tu as récemment donné de nombreuses œuvres au musée pour remplacer celles qui ont disparu lors de l'incident des tableaux. C'est ce que j'imaginais, mais quand même, il se déplaçait vraiment trop facilement sur la corde, il se tournait sur lui-même et tout. Moi j'avais plus l'impression qu'il était tenu par une corde, par quelque chose au-dessus. Et surtout qu'il fallait il faut aussi deviner pour comment des gens ont fait pour s'envoler d'eux-mêmes. Les colis que tu as fait livrer étaient assez lourds, n'est-ce pas ? Cet élément pourrait avoir un rôle clé dans cette affaire. Ces insinuations sont absolument ridicules. Tu avais les moyens de faire porter les colis jusqu'au toit du musée et en faire en sorte qu'ils maintiennent la corde en place. Voyez-vous ça ? Vous n'avez aucune preuve, mais poursuivez, je vous prie. On a trouvé du tissu noir près du musée. Je pense qu'il faisait partie intégrante de la mise en scène d'hier. Les complices du maître du masque étaient sans doute accrochés à des engins volants silencieux. Des dirigeables, peut-être. Ouais, ça part un petit peu sur... C'est quoi ça, cette histoire-là ? Et grâce à ces engins, ils ont fait croire qu'ils décollaient, puis se sont envolés dans le tissu noir. Je vois, les spectateurs étaient éblouis par la lumière dans le ciel nocturne, ils ont cru que les gens avaient disparu. Ok, mais bizarre encore une fois quand même, je trouve. Waouh, merci beaucoup Loki. Loki ECS qui a offert 5 subs dans le chat. Trop cool ça, merci beaucoup, c'est super gentil. T'as fait 5 euros, c'est super cool de ta part. T'es un bon, merci beaucoup. Tout à fait. Mais le point essentiel de cette théorie est qu'une telle mise en scène est loin d'être gratuite. Henri, Alphonse et toi figurez en tête d'une liste très réduite de suspects ayant les moyens de financer ces tours. Bien que je ne puisse vous empêcher de me soupçonner, je crois que vous avez oublié l'essentiel. D'un point de vue financier, personne n'est aussi investi que moi dans cette ville. Si elle meurt, je fais faillite. Oui, c'est effectivement ce qu'on m'a dit. Toutefois, Doraemon semble profiter des apparitions du maître du masque. Le maître du masque a effectué chacun de ses numéros devant une foule, près des principaux lieux touristiques. Nombreux sont les habitants qui pensent que ces événements sont néfastes pour la réputation de la ville. Mais les rumeurs, elles, ne décrivent pas le maître du masque comme un criminel. Au contraire, elles parlent d'un homme charismatique et mystérieux accomplissant des prodiges. Je crois que toutes les personnes qui entendraient parler de lui auraient envie de venir à Doraemon. En tout cas, moi, ça m'intéresserait. Exactement. Pour bien des touristes, ces prétendus prodiges ne sont que d'excellents divertissements. D'ailleurs, vous avez tous dû remarquer que le nombre de spectateurs croît à chaque prodige. J'ai du mal à vous comprendre, vous insinuez que j'ai engagé le maître du masque pour attirer les touristes. En effet, c'est une possibilité. Ma femme semble vous faire suffisamment confiance pour avoir demandé de venir. Ce n'est pas mon cas. Il y a 18 ans, vous avez laissé Monsieur Randall pour mort et vous vous êtes réfugié à Londres. Vous avez trahi la mémoire de votre ami et maintenant vous avez le culot de venir chez moi porter de telles accusations. J'ai fouillé ces maudites ruines de fond en comble avec les notes de Monsieur Randall pour seule aide. Je l'ai fait par loyauté. Vous n'avez aucun droit d'être ici. Vous salissez sa mémoire. Henri, si je peux... Allez-vous-en, professeur, je n'ai plus rien à vous dire. Très bien. Nous ne t'importunerons pas davantage, c'était dur à dire. Laisse-moi juste te dire une chose, cela concerne le futur de ta ville.
Alphonse Dalston est innocent et le maître du masque apparaîtra très certainement ce soir. Si, comme tu le dis, tu n'as rien à voir avec cette histoire, j'espère de tout cœur te voir ce soir. Nous pourrons alors essayer de découvrir la vérité ensemble. Cet entretien est terminé. Marissa, raccompagne-les jusqu'à la sortie, s'il te plaît. Oui, d'accord. Duc-duc. Je crois que j'ai fait ce jeu 5000 fois. C'est beaucoup 5000 fois quand même. Non ? Oh, elle est là, elle. Je suis désolée, Herschel. C'est moi qui suis désolée, Marissa. Je suis peut-être allée trop loin. Ce n'est rien. Dès que le passé refait surface, Henri a tendance à se laisser emporter par ses émotions. Je comprends. Malgré tout, je dois dire que j'ai l'impression qu'il cache quelque chose. J'ai du mal à le croire. Henri n'est pas capable de cacher quoi que ce soit. Es-tu vraiment sûre de le connaître aussi bien que ça ? Que veux-tu dire par là ? Rien d'important, n'y pense plus. Tout finira par s'éclaircir, je te le promets. Comme tu dis. Allez, un mystère de plus. Le mystérieux Henri 2, mystère E2 même. Ouais, je peux pas me dire où est-ce que je vais aller moi maintenant. Professeur Layton, ça fait des heures que je vous recherche. Monsieur l'agent, que puis-je faire pour vous ? Est-ce que vous pourriez m'accompagner jusqu'au boulevard du Prestige ? Il s'agit du maître du masque. Le maître du masque ? Que s'est-il passé ? Est-il revenu ? Eh bien, un collègue qui se trouvait sur place lors de l'incident des statues a quelque chose à vous dire. Cette affaire se complique à chaque seconde. Oui, c'est vrai. Nous vous suivons, monsieur l'agent. Je vous accompagne jusqu'à lui. Pas mal de touristes nous confondent, sûrement à cause de l'uniforme. Oui, c'est sûrement ça, oui. Qui aurait cru que je guiderais le professeur Layton dans la cité des prodiges ? Veuillez me suivre. Tiens, je viens de capter un truc à l'instant, qui n'a absolument aucun rapport avec Layton. Mais je voulais vous en parler. Mais peut-être ça vous intéresse pas du tout, en fait. Merci Aurorjo pour les 17 mois de resub. Je passe donner mon Prime, même si je n'ai plus le temps pour regarder tes lives. Je viens pour te soutenir, je continue de regarder tes replays. Toujours un plaisir, même si ça n'a pas la même ambiance. Ah, je suis désolé. J'espère pouvoir suivre en live bientôt, bonne soirée à vous. Peut-être aux vacances de Noël, qui sait. En tout cas, merci pour ton soutien, il me fait chaud au cœur. Et j'espère que... la vie n'est pas trop dure et que t'arrives quand même à te libérer du temps libre pour toi. Ouais, je voulais vous dire, vous savez, il y a quelques semaines, je sais plus, je vous avais... Alors, quand je dis vous, c'était peut-être pas vous exactement qui était là dans le chat, c'était peut-être d'autres personnes, mais je sais pas si parmi vous, il y en avait certains qui étaient là la dernière fois, où je vous parlais de la... Je sais pas pourquoi, j'ai eu un flash là à l'instant. Aucun, rien ne m'y a fait penser, mais c'est pas grave. Je vous ai parlé de la prochaine extension de cartes Pokémon qui sortira en janvier, et on s'était regardé, tu sais, toutes les cartes, les belles cartes alternatives de cartes Pokémon qui sortiront en janvier, tu sais. Je sais pas si vous vous rappelez. Eh bien, il y en a des nouvelles qui ont été leakées aujourd'hui. Et en fait, elles sont vraiment trop belles et je voulais vous les montrer en live. Je voulais vous les montrer au début du live et j'ai complètement oublié, en fait. Hein, complètement. Mais ça vous dit, je vous les montre... Putain, je vais les chercher vite fait, là, sur Internet. Juste pour vous, parce que je les trouve trop belles et j'avais envie de partager ça avec vous, quoi. Si je les retrouve, bon, j'essaie de faire ça rapidement. Normalement, c'était sur ce compte Twitter que je les avais trouvées. Ouais, regarde-moi ça, comment elles sont belles. C'est là que j'ai vu... Et après les autres. Ah, j'en avais vu d'autres qui étaient magnifiques, je les vois plus. Ah, c'est dommage. Attends, oh putain, la roulette de ma souris, c'est une catastrophe comment elle marche pas. Ah, non, en fait, j'ai vu un truc aujourd'hui, j'ai vu une annonce passer de cartes qui étaient magnifiques. En fait, c'était des cartes qui se suivaient si jamais tu les mettais côte à côte. Et ça crée un... Ça pouvait créer un... Oh, où est-ce que je les ai vus passer ? Waouh, je la trouve pas. Ça pouvait créer un... Oh putain, je suis désolé, je vais vous faire perdre du temps. Je vais chercher de mon côté. Ah oui, c'était sur ce compte-là, bien sûr. D'ailleurs, je vais le follow. Voilà, c'est ça. Oh là, c'est magnifique.
Oh, c'est un truc de fou. Alors attends, deux secondes, je vais te les montrer. Je les ouvre dans un nouvel onglet pour que ce soit plus agréable. Merde. Deux secondes, hein. Désolé. Elles sont trop stylées. Elles sont trop stylées. Ouais, ça c'est un truc de fou, ça. Ça, c'est le summum. Hop là. Tiens, regarde. Si je fais ça... Hop, regarde-moi ça. Attends, on va se mettre en mode réinitialisé. Ou peut-être non, justement. Il y a celle-là, que je trouve marrante comme tout, là. Ils sont toujours liés, ces deux-là, sur la même carte. J'aime bien ce style de dessin. Ensuite, il y a celle-là aussi. Du coup, pareil, là, c'est l'autre, mais ils sont encore ensemble, ces deux-là. Je la trouve jolie, mais on voit pas bien, hein, c'est des leaks. Il y a celle-là aussi, qui est vraiment belle comme tout. Hop. Il y a celle-là qui est sympa. J'aime bien les dresseurs, elles sont belles. Je vais peut-être trop zoomer. Celle-là aussi, elle est sympa. Je garde les meilleures pour la fin. Celle-là, elle est belle. À la musique comme ça, au clair de lune, avec plein de Pokémon partout. C'est des belles images. Bon, là, c'est des dingueries, là. Là, on arrive sur des cartes. Elles sont incroyables, là. Là, on arrive sur les golds de la prochaine série. Giratina, c'est une œuvre d'art, c'est n'importe quoi. Arceus, excuse-moi, c'est incroyable. On n'arrive pas bien à comprendre, à voir, parce qu'il y a beaucoup de brillants, c'est un peu flou et tout, mais un truc de fou. C'est un truc de fou. Elles sont incroyables. Franchement, je vous le dis, la série qui sort en janvier, là, mais il n'y a que des cartes alternatives qui vont sortir, elles vont être toutes trop belles. Ça va être une série de fous furieux. Et du coup, il y a celle-là que je trouve vraiment, vraiment trop belle. Comme tu peux le voir, ces cartes-là, elles se suivent. Je parle du décor, tu vois, l'arbre, là, chez Konotor, il se poursuit chez Pikachu. Puis, en haut, tu vois, là, c'est le ciel, la montagne, l'arbre de Riolu, il vient sur Tilton. Elles sont belles comme tout, ces cartes. Je les trouve trop belles. Hein. Je les trouve trop, trop belles. Hein. Il y en avait d'autres encore, j'y pense, que j'ai vues, j'ai dû voir hier. J'en ai vu de dresseurs qui étaient ensemble. Je vais te les retrouver parce que c'était hier que je les ai vus passer, donc ça va pas me prendre quelques secondes pour les retrouver. Attends, je sais plus, je confonds un peu les comptes chez qui je vois ça en général. C'est peut-être ça. Je cherche un, deux secondes. Ah, je sais pas où c'est. Bon, après, on va reprendre le jeu, t'inquiète pas. Mais j'avais juste envie de vous partager ça. J'espère que ça vous dérange pas trop. Alors, comment on fait ? Média. Alors, on va aller voir ce qui a été partagé récemment. Ouais, j'en vois d'autres que j'avais encore jamais vu. Oh, non. Ah, voilà, c'est celle-ci. Oh, elles sont trop belles. Oh, putain, t'es pas prêt. Oh, putain, t'es pas prêt. Oh, putain, t'es pas prêt. T'es prêt ? T'es prêt ou t'es pas prêt ? T'es pas prêt. Oh là 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 là. Oh là là là. Le mec qui en fait trop de C. Oh là là là, c'est trop beau. Oh là là, t'es pas prêt. Oh là là. Regarde ça. Ah, comme elle est mignonne, cette carte. Elle est trop belle. La carte low class. Elle est pure. Elle est trop belle. J'adore. C'est des putains d'œuvres d'art maintenant, les cartes Pokémon qui vont sortir. C'est trop beau. Je trouve ça trop beau. Regarde celle-là. Les couleurs, et surtout, imagine maintenant, on rajoute le côté brillant. C'est une dinguerie. Et voilà, et ça, c'est la carte avec les... c'est la carte des dresseurs. Je sais pas, je les trouve trop... Je trouve trop bien, ces cartes. Vraiment, elles ont... Et en plus, ça fait quelque chose, parce que du coup, c'est la dernière série qui va conclure l'extension épée et bouclier des cartes Pokémon. C'est la dernière série. Après, on va passer sur... Eh bien, Écarlate et Violet. Donc, on va recommencer un nouveau cycle de cartes Pokémon. Et donc, en fait, c'est un petit peu les... Voilà, les dresseurs de cette génération qui disent au revoir par le biais des cartes Pokémon, donc je trouve ça mignon. Bon voilà, désolé, c'était le petit contre-temps, mais il y en avait encore plein d'autres, hein. Je t'ai montré même pas 10% des cartes qui vont sortir sur la prochaine extension, mais on s'était fait un début de live une fois, on avait tout regardé, il y en a vraiment qui sont trop belles. Sur les nouvelles qui vont sortir, il y en a vraiment des dingues. Et donc on s'ouvrira évidemment des boosters de cette nouvelle extension, on s'ouvrira ça en janvier, en plus ce sera mon anniversaire, donc je vais me faire plaisir
je vais m'en ouvrir plein. Des boosters, je vais demander à mes parents comme cadeau d'anniversaire de m'en offrir un coffret s'ils peuvent, s'ils arrivent à en trouver à temps et tout ça. Et on s'en ouvrira plein en live, on va se faire une ouverture de dingue et on essaiera d'avoir des cartes de fou. Voilà, j'ai hâte. J'ai grave hâte. J'ai fort hâte. Merci Isen MW qui arrive pour son 15e mois. Salut Farod, je voulais savoir si t'as des news sur la VF de Danganronpa 2, si tu comptes toujours le faire, sinon je kiffe ton contenu, c'est la frappe, change rien. Évidemment, on a tous des news, ça sort officiellement le 16 décembre, là, donc dans 17 jours, un truc comme ça. Et oui, je vais le faire en live, bien sûr, évidemment, on le fera le soir même de sa sortie, je crois, parce que le 16, ça tombe quel jour hein. Le 16, ça tombe, donc c'est dans 2 semaines et 2 jours, donc c'est ça, 16 jours. Voilà, ça tombe un vendredi, donc vendredi soir, vendredi 16, tu peux déjà te le réserver, épisode 1 de Danganronpa 2, en VF, trop bien. Faudra se faire un... Je sais, alors, s'il y en a parmi vous qui connaissent déjà Danganronpa 2, est-ce qu'il faut avoir en tête le 1, ou alors c'est une histoire complètement différente, ou... C'est important de se rappeler du 1 parce que j'avoue que le 1 je l'ai fait il y a 2 ans, il y a des chances que j'ai un petit peu tout oublié. Donc si jamais il faut se faire un rappel, on pourra s'organiser un stream un rappel rapide de l'histoire du 1 et si on n'en a pas besoin, c'est hyper important hein, carrément. D'accord, c'est mieux mais pas besoin. Je trouve pas que ce soit important. Waouh, j'ai 3 avis. J'ai les gens qui me disent oui c'est obligatoire, d'autres qui me disent oh, bof et d'autres qui me disent ah pas du tout en fait. Et donc ils disent c'est bien mais pas trop. Bon on essaiera de se faire un... On essaiera de lancer le live à 19h donc et de 19h à 20h on se fera un récapitulatif de l'épisode 1 et après à 20h on lancera le jeu du coup. Voilà. Voilà, merci Aslan Layton. Oh là là, incroyable. Carissa pour son 6ème mois, ça passe vite. Je suis pas souvent là en ce moment, mais je promis je rattrape à fond le masque du miracle et je reviens dans le live et le chat parce que l'ambiance chez les puants me manque. Bon retour parmi nous alors. Bien, continuons sur ces belles paroles. Attends, les fans hardcore te diront oui, mais en vrai, sans le 1, c'est bon. Faut juste que tu te souviennes de la fin du 1 à peu près, quoi. D'accord, ok, Moon. Ok. Bon, alors, dans le doute, on va se refaire une petite session, une petite heure de rattrapage. Professeur, cet homme à la barbe très fournie semble avoir besoin d'aide. Il n'a pas l'air très à l'aise. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah oui, fourni est un faible adjectif. Attendez, je sens quelque chose. Oui, c'est l'odeur d'un citoyen en détresse. C'est un sac de nœuds. Oh, oh là, oh, mais qu'est-ce qu'elle... Mais c'est qu'elle est bien glande, cette ville. Pouvons-nous vous aider, cher monsieur? Je m'appelle Herschel Layton. Et moi, c'est Tannenbaum. Pour vous dire, je viens d'Olivet, dans cette ville, et j'y comprends rien du tout. Je sais pas quel accent je suis en train de te faire, mais je me donne à fond. Qu'est-ce qui vous pose problème exactement? Eh ben, les gardez un peu cette colt et dites-moi si vous y comprenez quelque chose. Je sais pas ce que je fais. Énigme numéro 77, énorme. Alors, paf, 40 picarats. À chaque fois que des touristes arrivent en ville, ils se voient remettre une carte afin de les aider à s'orienter. Malheureusement, ces cartes de piètre qualité ont tendance à se déchirer le long des pliures, ce qui en rend la lecture impossible. Pouvez-vous remettre les lambeaux dans l'ordre et reconstituer la carte d'origine? C'est pas très compliqué ce que tu me demandes là. Regarde, on va faire ça là. On va faire ça là peut-être. Non, pas du tout, on va faire ça là. Voilà. On va faire ça là. Ça là. Ah, et tout est décalé, j'ai l'impression. Ah, mais ça se marie super bien en fait ce que je viens de faire. Attends, mais j'ai un doute parce que est-ce que je peux pas poser ça? Ah non, je peux pas. Non, mais c'est bien ça alors. Ok, c'est bien ça. Bon, ça va. Attends, c'était 40 picarats? Oui, je suis confiant. Il y a un piège. Non, j'ai faux. J'ai juste 40 picarats pour ça? C'est pas possible. Je me réjouis d'avoir réussi. Il est où le piège? Je comprends pas. Comment ça, 40 picarats pour ça? J'ai vraiment eu l'impression d'être tombé dans un piège. Waouh, merci encore Loki. Ça fait deux fois là. Loki, ECS qui a offert 5 subs dans le chat. Donc 4 personnes n'avaient jamais sub de leur vie. C'est leur premier mois pour 4 personnes. Tu es vraiment super généreux, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il me raconte? Oh,
Merci, monsieur, c'est bien trop aimable de votre porte. De votre porte. Vous m'avez enlevé une sous-clé d'épines du pied. C'est quoi, il a un accent anglais? Waouh, le professeur Layton en action, vous êtes aussi doué qu'on le dit. Vous avez de la chance de nous avoir croisés, le professeur Layton est un vrai sommité en matière d'énigmes. Oh, je me demande comment vous vous en sortiriez contre le gamin qu'habitait chez moi. Lui aussi était drôlement fortiche. Écran! Ah! Ah! Je suis désolé. Pardon. Je suis une merde. Allez. Hashtag farol de la merde, c'est reparti. Je l'ai traité comme mon propre poulain, mais il a filé sans lien de me dire. Il a call que moi. J'en reviens toujours pas. En fait, je suis venu ici pour le chercher, mais si je me perds tout le temps, je risque pas de le trouver. Nous sommes désolés pour vous, monsieur. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, la police pourra vous aider. Et nous aussi, bonne chance dans vos recherches. Oh, vous en faites pas, vous m'avez déjà bien aidé avec ce fichu Colt. Bon, je ferai mieux d'y aller. Au revoir. Alors attention, pas des hashtags trop longs, ni des hashtags en majuscule parce que le bot il aime pas ça. Ouais, ça mélange d'accent québécois et un accent anglais qui essaie de parler français, je sais pas. C'est l'accent de Willy des Simpsons. Oh putain, j'avoue, c'est Willy. Oh merde, ah c'est un accent écossais alors, t'es en train de me dire. Vous volez même au secours des touristes perdus, vous êtes décidément un grand homme, professeur. Avec vous, on va débusquer le maître du masque en un rien de temps. Je ferai mon possible pour honorer la confiance que vous me portez. Soit, et donc je dois continuer vers le bas. C'est un accent de patelin perdu. Et peut-être aussi, peut-être. C'est vrai. Alors. Tiens, mais c'est très étrange, il m'a dit qu'il serait ici. Je ne vois pas d'autres policiers, moi. Examinons le lieu de plus près. Il s'est caché. Il s'est caché là-bas, je pense. Et voilà, bien sûr, c'était évident. Voilà, c'est lui, le collègue qui m'a demandé de vous faire venir jusqu'ici. Regarde, je suis avec le professeur. Super, prof. Si vous saviez comme je brûlais de pouvoir vous parler. Cela concerne-t-il le maître du masque? Oui, cette soirée restera à jamais gravée dans ma mémoire. Trois fougueux cavaliers à la poursuite d'un terrible criminel. J'en étais tout retourné. Trois fougueux cavaliers, serez-vous en train de parler de nous? Et comment? Je n'en croyais pas mes yeux. Tous les collègues ne parlent que de ça. Hein, pas vrai? En fait, professeur Layton, il a que des fangirls et des fanboys dans la police. Hein? Oui, bien sûr. Depuis cette soirée, je rêve de vous revoir. Vous ne pouvez pas imaginer l'honneur que vous me faites. Vous me flattez, monsieur l'agent? Si vous voulez vous remettre en selle, venez me voir. J'ai déjà pensé à des parcours pour vous. Je vois. Mais attends, mais tu peux le... Pourquoi tu m'as fait venir, en fait? Je suppose qu'un peu d'exercice ne me ferait pas de mal. Enfin, à condition que cette enquête me laisse un minimum de temps libre. Parfait, ça tombe très bien, j'ai déjà créé un parcours. Vous verrez, il sera à la mesure de votre talent. Et de quoi il parle? Ouais, sans vouloir vous vexer, tout cela n'a strictement rien à voir avec le maître du masque, en fait. C'est vrai, mais le maître du masque est un peu la carotte qui vous a mené jusqu'à lui. Attends, mais il m'a fait me déplacer pour rien, le gars? C'est une putain de blague, hein? Qu'est-ce qu'il fout? Vous êtes venu vous remettre en selle, je le vois dans vos yeux, il brille comme ceux de nan. Votre démonstration l'autre jour m'a soufflé, regardez, j'ai encore des larmes aux yeux. J'attends fébrilement le jour où j'aurai l'honneur d'assister à un tel spectacle. Les chevals sont été nourris et rangent leurs freins en attendant pour monter en selle. Ah! Le jeu de course là? Le jeu de course pourri là? Vous devez atteindre l'arrivée en ayant ramené. Mais ça inutilise. Est-ce que ceux qui connaissent le jeu, c'est utile là de faire ça ou pas? Ou alors est-ce que je vais juste perdre mon temps? Ou alors c'est nécessaire pour faire avancer l'histoire et le jeu? Vous devez atteindre l'arrivée en ayant ramassé le plus de drapeaux possible, votre record sera enregistré. Ouais, non, je connais le gameplay, on l'a déjà vu. Ça sert absolument à rien. Ah ouais. Mais en fait, il m'a vraiment pris pour un con, il m'a fait perdre mon temps. Je suis un peu déçu de lui, je t'avoue. Et donc... qu'est-ce que je dois faire? Ok, un dialogue se lance, heureusement. Tiens, quelqu'un est en train de courir vers nous. À sa place, je ne courrais pas comme ça, surtout avec des talons aiguilles. Vous avez entendu? Un truc fantastique s'est passé au casino du Scorpion. Je suis totally spice, sûr que c'est le maître of the mask.
Bref, je n'ai pas trop le time de speak avec vous, hors de question que je le rate. Qu'en pensez-vous, professeur, le maître du masque est-il vraiment apparu dans ce casino? Ce n'est pas ce qu'il nous a dit, mais tout est possible. Bon, il faut que j'aille vérifier ça, je suis encore en service. Je file au casino du scorpion. Au fait, normalement, il ne laisse pas entrer les enfants. Mais bon, puisque vous travaillez sur l'enquête, ils pourront sûrement faire une exception pour votre jeune ami. Ce fut un honneur pour moi, professeur. Madame, mes hommages. Si on en croit cette carte, ce casino est près de la rue commerçante, on devrait y aller aussi. À gauche donc. Ce mini-jeu, ça sert à rien. Putain, c'est ouf. Mais ça doit débloquer un truc pour plus tard dans les extras, non, je pense. On va monter là-haut, je pense. Je crois que le casino du scorpion se trouve au bout de cette rue couverte. En tout cas, elle a l'air plutôt animée. Et si on allait voir? Bien sûr. Professeur, voyez-vous cet homme qui a l'air très nerveux là-bas? Oui, il semble effectivement quelque peu tourmenté. Lui, là, il a l'air nerveux. Vérifie qu'il n'y a pas une petite énigme cachée, hein. Comme d'habitude, tu connais, hein. T'as l'habitude, hein. Ah, il est tourmenté parce qu'il a une énigme, le monsieur. C'est ça qu'on va résoudre. Comment ai-je pu faire une telle chose? Est-ce qu'ils vont me botter l'arrière-train? En parlant de beauté, est-ce que mes lacets sont défaits? Mes mocassins n'ont pas de lacets, quoique c'est... Non, c'est bon. Professeur, on devrait peut-être s'en aller. Allons, Amy, cet homme semble avoir des problèmes. Nous devons lui demander s'il ne va pas. Juste si elle, figurez-vous que je me trouve dans une situation fort embarrassante. Loin de moi l'idée de vous importuner avec mes problèmes, mais... Au fait, vous savez qui je suis, non? Murphy, l'expert comptable, ça ne vous évoque rien? Eh bien, figurez-vous que je contrôle les comptes de messieurs Dalston et Dumont. Si, c'est très intéressant, ça. Mais je crois que je vais trop vite en besogne, laissez-moi d'abord vous parler de Dorémont. La ville a été créée par Henri Dumont, c'est un fait. Son expansion, elle, vient en grande partie de la concurrence qu'il oppose à Alphonse Dalston. Et là, écoutez bien, parce que ça devient vraiment croustillant, les affaires de monsieur Dalston ont pris un sacré coup avec son arrestation. Oh, ravi de faire votre connaissance, monsieur. Insinuez-vous que les affaires d'Alphonse Dalston sont en danger? Où avais-je la tête? Ça se voit pourtant que vous n'êtes pas un initié. En guise de préambule, je vous propose de résoudre cette énigme sur le commerce local. Let's go. Alors, un 79. Pouh, alors ça, on va se le mettre là-haut. Alors, et là, on va devoir tirer des petits traits. A, B, C, D, E sont tous commerçants dans une rue où l'on trouve une boulangerie, une librairie, un café, une pâtisserie et enfin une épicerie. Retrouvez le métier de chacun. Alors, A, B, C, D, E. D'accord. Alors, qu'est-ce qui nous dit A? A qui nous dit C et moi travaillons tous les deux près de la boulangerie et de la pâtisserie. On a un plan? Non, c'est juste pour nous dire que C et A, ils travaillent ni à la boulangerie, ni à la pâtisserie. D'accord. On va se faire donc des notes. Donc, boulangerie, pâtisserie. Donc lui, il travaille soit là, soit là, soit là. Et il a dit C. Soit là, soit là, soit là. B. Donc toi, tu nous dis quoi? C et moi allons rarement au café. Donc, tu ne travailles pas au café. Voilà. Par contre, toi, tu peux potentiellement travailler partout sauf café. Donc, je vais dessiner un café ici. Voilà. Que je barre. C, tu nous dis quoi? Je ne gère pas la boulangerie. Donc, c'est bien, je ne... Non, mais j'ai fait une erreur. C'est pas la boulangerie, ça. Mais attends, qu'est-ce que j'ai fait? C et moi travaillons tous les deux près de la boulangerie et la pâtisserie. Ah oui, non, c'est bon. Donc c'est pour ça que je l'ai mis sur les trois. Ok, d'accord. Non, c'est bon. Je fais pas d'erreur pour l'instant. Écran. Oui, je peux changer d'écran, mais je crois pas que ce soit... Oui, c'est peut-être nécessaire, t'as raison. Mais là, ça, c'était pas trop grave, je pense, de changer l'écran ou pas. Donc, C, elle me dit, je ne gère pas la boulangerie. Ça, on le savait. Et D non plus. Donc, D ne gère pas la boulangerie. A et B ne sont pas libraires. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on peut effacer ce chemin-là. Très bien. Donc lui, boulangerie, non. Et il m'a dit quoi après? Là, A et B ne sont pas libraires. Donc lui, le livre,
Le livre, c'est non. Le dé, il dit quoi ? Eux et moi sommes de fidèles clients, des clients du café et de l'épicerie. Donc toi, mon gars, tu travailles ni à la boulangerie, ni au café, ni à l'épicerie. Donc tu travailles soit là, soit là. Eux et moi. Et donc toi, client fidèle du café et de l'épicerie. Donc tu travailles pas au café, tu travailles pas à l'épicerie. Tu travailles. Donc soit là. Mais tu travailles pas là où il y a le livre, donc tu travailles peut-être à la boulangerie. Le dernier trait que je viens de faire est affreux. Je ne m'y retrouve plus, j'aurais dû faire des traits de couleur. Et eux, ils disent, c'est moi travaillant près de l'épicerie. Près de l'épicerie. Mais est-ce que quand ils disent près, il y a un ordre sur les dessins? Genre, est-ce que le café, il est proche de la librairie, par exemple? Parce qu'ils sont côte à côte? Peut-être. C'est moi travaillant près de l'épicerie. Donc, ils ne travaillent pas à l'épicerie. Mais on le sait qu'ils ne travaillent pas à l'épicerie. Puisque juste avant, il a dit... On est... des clients fidèles du café de l'épicerie, on travaille près de l'épicerie. Donc ça veut dire que si C ne travaille pas à l'épicerie, C travaille forcément, je dis bien forcément, ici. Ça c'est un fait. C'est acté. Ouais, j'aurais carrément dû utiliser des couleurs, je suis une merde. Donc ça c'est bon, je peux donc effacer ce petit trait là, et surtout ce trait là aussi. C'est réglé. Par contre, il y avait quelqu'un d'autre où on pensait qu'il y travaillait. Lui, on pensait qu'il travaillait aussi là-bas. Donc on peut lui retirer ça. On va faire que de la déduction maintenant. Ça va être assez simple. Donc lui, il peut que travailler là. Hop là. Voilà, donc on peut retirer ce petit truc-là. Hop, clac, clac. Clac, clac. Voilà, très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre en pensait qu'il travaillait là? Lui, on pensait qu'il pouvait travailler là, donc c'est pas possible, parce qu'il y a son collègue. Il ne reste qu'une seule possibilité, le fait qu'il travaille là-bas. Très bien, alors tu vas travailler là-bas maintenant. Je note, hop, et tout ça, ça s'en va. Et maintenant, la blague, c'est que j'ai l'impression qu'on n'a rien sur B. Si, on sait que A et B ne sont pas libraires. Et lui, qu'est-ce qu'il nous reste? Si, regardez en haut, au-dessus de B, qu'est-ce qu'il y a écrit? On avait dit qu'elle ne faisait pas de café. Donc si B ne fait pas de café, elle fait de la pomme. Et il n'en reste qu'un pour lui. Voilà. J'espère que je ne suis pas allé trop vite. Voyons voir. C'est ça. C'est quoi le backseat? Le backseat, c'est du spoil en gros. Tout énigme. Mais c'est pas du spoil clair et net en mode... Farod, à la fin du jeu, Professeur Layton, il meurt. Bon, ça, c'est du spoil. Mais par contre, le backseat, c'est du genre... Farod... Peut-être que tu devrais relire la troisième ligne de l'énoncé, ça te permettrait de comprendre. Ou alors, Farod, je sais pas si t'as vu, mais à droite, il y avait l'air d'avoir un truc intéressant, je sais pas, hein, mais peut-être que tu devrais aller voir, peut-être que ça t'aiderait et tout, voilà. En gros, c'est m'aider à avancer, en gros. Ça, c'est du backseat. Et je demande à ce qu'il n'y en ait pas en général, bien que je regarde pas forcément le chat quand je suis... Quand je suis bloqué. Mais quand je suis bloqué, de toute façon, je le dis et je demande. Ouais, le backseat, c'est clairement me dire ce que je dois faire pour avancer dans le jeu. À présent, je peux évoquer avec vous l'enchevêtrement complexe de notre économie locale. Vous êtes sûrement pas sans savoir que Monsieur Dumont a fondé cette ville au beau milieu du désert. À l'endroit où nous nous tenons, il y avait juste jadis une oasis. Ah bon? Une oasis, c'est fou. Persuadé qu'on disait un oasis. Je parle bien du truc dans le désert. Je suis persuadé qu'on disait un oasis. Écran, merci le chat. Fort de la merde. Ouais, non, persuadé qu'on disait un oasis. C'est peut-être la boisson qui m'a influencé. C'est grâce à elle que la ville a pu être créée. Cet endroit semble effectivement être le cœur de Dorémont. Sans vouloir vous brusquer, pourriez-vous en venir au fait? Oui, pardon, j'adore mon métier, les livres des contes me fascinent. Quant à Alphonse, ses affaires ont périclité à cause de son arrestation. Enfin, périclité, disons plutôt qu'elles ont fait une chute libre. Sans la juste concurrence d'Alphonse d'Alston, les affaires d'Henri Dumont fleurissent comme par enchantement. Et oui, cette arrestation a des répercussions économiques absolument majeures. Le bilan est très clair.
Mais les affaires de Monsieur Dumont vont également chuter si les touristes ont trop peur de rester, non? Oui, c'est vrai. Et faux tout à la fois. Figurez-vous que tout le monde accourt pour voir ces prodiges. Pour vous dire, le mois dernier, Henri Dumont a fait un bénéfice net de... Alors si je retire les taxes, moins le nanana... Ces informations ne sont pas confidentielles? Oh non, c'est fou, je suis incorrigible. Bien sûr qu'elles sont confidentielles. Mais attendez une minute, je ne vous ai encore rien dit, pas vrai? Bon, vous feriez... Il aurait peut-être dû se taire, Layton. Vous ferez comme si vous n'aviez pas entendu la dernière partie. Elle n'existe même pas, d'ailleurs. Essayez-vous de nous dire que l'arrestation d'Alphonse Dalston profite aux affaires d'Henri Dumont? Exactement. Est-ce que j'ai été assez clair? Non, je veux dire, est-ce que j'ai été assez vague? Je ne voudrais pas me faire retirer mon agrément. Professeur, il semblerait que Monsieur Dumont ait à la fois un mobile et les moyens financiers nécessaires. Oui, c'est effectivement ce qu'il ressort. Allez, on va pouvoir avancer un petit peu. Merci beaucoup d'Evangers qui arrive pour son 25e mois en tier 2. C'est pas mal ça. Merci beaucoup. Merci Just Green qui arrive pour son 5e mois. Bien le bonjour Monsieur Farod, merci de faire des lives en cette période difficile pour moi. Ça me rend le moral et ça m'aide beaucoup. Triste. Bon courage, je te fais des bisous. Et merci à Loki qui a offert un sub à Louise Brett. Alors, qu'avons-nous là? Bonjour, bonjour. Ah, mais lui, on le connaît, lui. Et en plus, il a une énigme, c'est formidable. La lumière est un peu agressive, mais elle fait parfaitement ressortir ma dent en or. L'or se marie bien avec tout. Je crois que la lumière artificielle se marie parfaitement avec votre personnalité, Monsieur Waltham. C'est une excellente remarque, cher enfant. Permettez-moi de vous complimenter sur votre capacité à rester vous-même devant l'éclat de ma richesse. Merci, mais c'est inutile. Hein. Ça se laisse pas faire et c'est très bien ça. Oui, puis ce n'est pas si dur. Bien joué, Luc. Il semble que nous n'ayons pas les mêmes valeurs. Tenez, cette énigme vous mettra sur le droit chemin. Alors, énigme numéro 83. Valeur 40 picarats. Trois amis viennent de terminer une partie de fléchette dont les résultats sont affichés sur l'écran supérieur. Pouvez-vous attribuer sa valeur à chacune des quatre zones de la cible A, B, C et D? D'accord, ok. Et en connaissant le d'accord. Sachez que la valeur de chaque zone est un nombre à un seul chiffre, que plus la zone est proche du centre, plus sa valeur est importante. Et enfin, qu'elles sont toutes des valeurs supérieures, différentes et supérieures à 0. Ça devrait pas être trop compliqué. Regarde, là j'ai 26, est-ce qu'on pourrait dire que ça c'est 10? Attends, redis-moi ça. Un seul chiffre. Ah non, ça peut pas être 10 alors. Alors disons 9. 9 et 9, 18. Pour arriver à 26 depuis 18, c'est 8. Donc ça serait 4. Je pars sur cette théorie, d'accord? 4. Voilà, il comprend pas. Ça y est, ça commence. On va vérifier si c'est bon ou pas. Et là j'ai dit 9. Ok. Donc maintenant, comptons celui-ci. Donc 9, 10, 11, 12, 13. On a 13, il faut arriver à 25 maintenant. Donc il nous faut 12. Oh, je sais pas. Bah, y a tellement de possibilités. 7. 7 et 5. Voilà, disons 7. Et 5. On est d'accord. 9, 10, 11... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ok. Vérifions si là c'est bon. Au pire, je pourrais toujours ajuster. Je pourrais mettre. Je pourrais rien mettre en fait. Je pourrais pas ajuster, je crois. Ici, il a 3 bleus. Donc le bleu, c'est le C. Donc il a 15. Et il a un B qui est 7. Donc ça fait 22. Et il a fait 22. Donc je pense que je me suis pas trompé. Je pense que j'ai vu juste. Ouais, c'est ça. Ok. Parfait. Oui, parfait. C'était pas si compliqué pour 40 picarats. En fait, les précédents jeux m'ont habitué à ce que 40 picarats soit beaucoup plus dur en mode « Oh, la pression et tout », mais là, ça va, en vrai. Ça va. Je suis impressionné que des gueux dans votre genre aient pu résoudre cette énigme. Je ne sais pas si ça change quoi que ce soit, mais ma famille est assez aisée. Vous savez, Monsieur Waltham, il n'y a pas que l'argent dans la vie. C'est sûrement ce qu'on dit quand on n'en a pas. Non, même quand on en a, on le dit. Alors, qu'est-ce que nous avons là-bas? Rien, d'accord. Une énigme, toi. Tu n'as pas d'énigme, je croyais. Je n'ai pas pensé à mettre de côté pour rentrer chez moi. Ça aurait pu être pire, le type à côté de moi a été déplumé. Et des plumes, il en avait beaucoup. Je n'ai jamais vu quelqu'un hurler aussi fort sur le gérant. Mais quand on n'a plus un rond, on fout moins les jetons.
Il avait l'air assez énervé pour mettre le feu au bâtiment. Il a probablement des dettes, du coup. Ce coup d'éclat au casino serait-il ce dont nous avons entendu parler ? Cela semble être sans rapport avec le maître du masque, professeur. Est-ce que vous voulez toujours y aller ? Un gentleman se doit de résoudre tout conflit par des moyens pacifiques. Dans ce cas, le casino en question est toujours tout droit. Et une fois au bout de la rue, vous ne pourrez pas le manquer. Suivez la trace laissée par tous ces rêves brisés. Merci de bien avoir voulu nous accorder un peu de temps. Putain, je sais pas lire. Alors continuons, là-haut. Oui, le casino, on le devine là, regarde. Impeccable. Bonsoir, Zone. Comment il va, le Zone, là ? Qui me dit qu'il n'est pas là pendant 2 semaines et il vient un stream sur 2, c'est formidable, ça. On dirait bien que c'est le casino dont nous avons parlé. Allons voir si on peut y être utile. Très bien. Allons-y. Oh waouh, la violence de Moon, casse-toi Zone, mais c'est méchant. Oh là là, le pauvre. J'ai rien demandé, le pauvre. Bon, si je vous suis bien, et je préférerais autant pas, vous me dites que j'ai perdu à la loyale. Et comme par hasard, c'est moi qui ai le mauvais rôle. Non mais vous me faites marrer. Vous croyez vraiment que j'ai rien pigé au petit jeu de votre coupe-pierre ? Monsieur, vous n'avez tout simplement pas eu de chance. Vous vous referez peut-être demain. Mais à présent, ayez l'obligeance de partir. Et ça vous ferait mal d'enlever vos lunettes quand vous me parlez, monsieur, ayez l'obligeance de... Allons, messieurs, essayons de réfléchir et de discuter calmement. Ah, waouh, monsieur Menton. Ne laissez pas l'inquiétude envahir le flot de vos pensées, chers citoyens, tout est sous contrôle. Bonsoir. Même si j'aborde la violence, je ne puis ignorer que la dissension est le propre de l'homme. Je vous suggère donc la solution pacifique d'un défi autour d'une énigme, l'occasion de montrer votre maestria. Je vous écoute. Ouais, ce sera peut-être l'occasion pour moi de prendre ma revanche. Parce que je vous préviens, le chapelier, je vais pas me laisser avoir comme l'autre fois. Je n'apprécie pas les conflits, mais cette idée de défi m'intrigue. Poursuivez, je vous prie. Ah, le brave homme, comme on dit. Oh, l'ami Pierrot abrégé, on va pas y passer la journée non plus. Déjà que j'ai plus une plume. Alors, dis-moi tout. Avec tes petits jetons, là. Patience, messieurs. Aucun de vous n'ignore que nous nous trouvons en ce moment même dans un superbe casino. Or, le champ de bataille est au canon, ce que le casino est aux jetons, n'est-ce pas ? Ces jetons semblent avoir été placés au hasard, mais regardez bien, la somme de chaque colonne est égale à 15. Oui, c'est aussi le cas pour les lignes. Ah non, pas du tout, pour la première ligne, en tout cas. Mais quelle turpitude, ces rangées sont orphelines de cette exquise similitude. Oh, ben on va en prendre un d'en bas qu'on va mettre sur la ligne du milieu, je le sens bien, regarde. 8 et 8, 16 moins 17, non, d'accord. Oh non, ça va être un petit peu compliqué. Oh, on va en bouger un petit peu. On va en bouger, on va mettre un gros chiffre au milieu, un chiffre moyen en bas, et un petit chiffre en haut, je sais pas. Pouvez-vous voler au secours de ces pauvres rangées dépareillées ? Je vous demande de déplacer les jetons afin que chaque colonne et chaque rangée aient la même somme. C'est bon, c'est pas trop dur pour Monsieur du Chapeau. Faut juste déplacer les jetons pour avoir la même somme de chaque... Oui, mais j'ai compris. Oui, je pense avoir compris. Il va de soi que le vainqueur sera celui qui parviendra en effectuant le moins de déplacements. Quand vous avez la réponse, faites-moi le savoir. Donc déjà, on va essayer de voir si on peut le faire en un seul déplacement. Donc déplacer juste... Voilà, on va garder les deux plus petits. 8 et 7, ça fait déjà 15, donc c'est pas possible. C'est pas possible. On va prendre le 9 qu'on va mettre quelque part et le 8 qu'on va mettre ailleurs. Ou pas, d'ailleurs. J'ai trouvé. Alors, tu le fais en combien, toi ? Votre foudroyante célérité m'impressionne, mon cher Rivers. Allez-y. Prenez-en de la graine. Un déplacement, deux déplacements, trois déplacements, quatre déplacements. Ok, donc je dois le faire en trois déplacements, voire deux. Je mise sur 3. Ça vous épate ? On dirait bien que vous avez relevé le défi. Ok, j'ai pas encore pris le temps de réfléchir dessus, mais je vais trouver. Laissez-moi vérifier les totaux. Oui, la somme de chaque rangée de chaque colonne est bien égale à 15. Toutes mes félicitations. J'ose espérer que vous reconnaîtrez votre défaite sans une once d'acrimonie, très cher monsieur. Les conditions du défi ont effectivement été remplies. Et alors, il y a un problème ? Eh bien, j'aimerais vous proposer une solution que le perfectionniste que vous êtes ne manquera pas d'apprécier. Que voulez-vous insinuer par là ? Toutes les colonnes et toutes les rangées ont la même somme. Tel le cafard marchant sur l'eau du mocassin, vous refusez la défaite, vous me voyez là bien désappointé.
Luc, cette énigme te rappelle-t-elle quelque chose? On dirait un carré magique. Exactement, toutefois en l'état, la solution ne fonctionne pas. Vous avez raison professeur, les colonnes et les rangées font bien 15, mais pas les diagonales. Narcisse, perds pas ton temps avec ces nuls, j'ai bien déplacé les jetons comme tu... très cher Rivers. Vos commentaires, oui parce que c'est vrai qu'ils sont liés, ils trichent ensemble, ces deux-là, ils nous avaient fait le même coup avec la balle cachée. Toutefois, votre victoire est évidente. Mais si ce gentleman peut faire état d'une solution parfaite, votre déchéance le serait tout autant. Bien, dans ce cas, laissez-moi vous montrer. Une petite seconde, il a intérêt à faire moins de déplacements que moi, sinon ça ne marche pas. C'est d'accord, je ferai un carré magique en ne touchant que 2 jetons. 2 ! Ah putain, pas 3, 2 ! Oh waouh, ok ! Cette annonce est à mes yeux bien farfelue, mais prouvez moi que j'ai tort. En bougeant que 2, c'est osé. Ok, si on garde, imaginons qu'on garde le 9 ici, le 6 on peut pas garder 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, il faudrait un 3 là-haut, ça marcherait pas, donc on va enlever le 9, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, il me faut un 6 ici, ah mais le 6 je l'ai déjà là-haut, donc c'est pas possible, 9, oh, attends, comment ça va, c'est pas possible du tout, ce qui se passe, Ok, donc on va changer 2 jetons de la diagonale, en fait. Je crois. Hein. Attends. Il faut que je me concentre là-dessus. Hein. Ou pas, d'ailleurs. 6. 7, 8, 9. Ouais, 6 encore, c'est pas possible. 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, c'est pas possible. 9... Et 6, ça fait déjà 15, j'ai pas de jetons de 0, donc c'est pas possible, le 9 il dégage. Mais déjà le 9 il m'a embêté déjà en bas de base. Donc le 9 on va le mettre, je dirais, juste là, à tout hasard. Hop. Parce que de toute façon, tous les jetons, ils vont rester dans la même colonne. Si je me trompe pas, ils vont rester sur la même colonne. Je ne regarde pas le chat pour pas être spoil. Donc là on a quoi? On a 2, 6, ça fait 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, il me faudrait un 7. 7 et 9 sur la même ligne, c'est pas possible ça. Ça fait 16, ça fait 17, ça marche pas. Ah, il faudrait 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il faudrait un 3. Attends, je peux pas avoir 3 et 3 sur la même ligne. Donc c'est le 3 qui va bouger. Donc on va bien garder le 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ouais, ça marche pas. Et là, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ça marche pas. 8. 10, 13, ah putain, je vais m'embêter, ça marche pas du tout ce que je fais là. Non, en fait, je crois pas que c'est ça qu'il faille faire. On va garder le 9. Au final, on va garder le 9 de ouf. J'aime bien la musique de fond, elle est sympa comme tout. Non, ah pardon, je pensais qu'il y avait un... Je pensais que je devais valider, pardon, je voulais juste voir ce que ça faisait. Non. Je voulais juste voir ce que je faisais. Ah merde, je pensais pas que ça faisait ça, autant pour moi. 10, eh oui, c'est pour ça que je voulais mettre le 5 ici. D'accord, autant pour moi. Attends. Ah ouais, je vais devoir jouer autrement. Je vais devoir briser les colonnes, en fait, je crois. J'en ai bien l'impression. Attends, on m'a dit que celle-là, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, elle fait déjà 15. Oh, bah tu sais quoi, c'est pas simple en vérité.
seulement 2 déplacements. Merde, putain, je bloque là. Pourtant, c'est dur cette histoire. Je vais prendre plus de temps. Ça va pas sortir tout de suite. J'ai tous les numéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qu'est-ce que je pourrais faire en seulement 2 déplacements? Attends, c'est quoi déjà qui fait... C'est les lignes qui font... Non, les lignes font pas 15. Les colonnes font 15, les lignes font pas 15. C'est ça, si je bouge que les colonnes... C'est les deux lignes du bas qui font pas 15. Trop cool la musique. C'est sous mes yeux, mais non. Non, non, c'est difficile, là, je vous avoue. J'ai du mal. Peut-être que vous avez déjà trouvé depuis un moment, et chapeau. Mais j'avoue que je bloque un petit peu, je m'excuse. Ah, ça me... Ah, ça me frustre. En seulement deux, je trouve ça... Oh, ça va me sauter aux yeux, à un moment donné, je vais le trouver, mais là... Il va me falloir me laisser peut-être un bon quart d'heure pour réfléchir. Hein. Je m'excuse d'avance, ça va pas être rapide pour le live, pour vous, ça va pas être très intéressant. Si vous l'avez, félicitations. J'ai lâché sans faire exprès, putain! Cette souris de merde! Ah, je suis désolé! Je veux juste réfléchir! Putain, le 9! Mais il m'embête tellement le 9! En train de me dire que sur cette ligne en bas, les chiffres me bloquent trop. Il va y avoir un numéro rouge qui sera en bas et un numéro vert
sûrement le 4. Comme ça. Pour rester probablement avec le 7 ou avec le 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et si je mets le 8 ici, non, on n'y est pas. Peut-être qu'on va garder justement le 9 ici. Le... Alors, attends. On enlève un 6 par un 9. Il me faudrait le 5 ici, clac, mais ça ferait un chiffre trop gros là-haut, ça marche pas. Clac, ici on a 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, c'est pas possible non plus. 9 ici, là on est toujours sur 15. Là on est à 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, c'est pas possible. Oh, alors peut-être le 7 à la place. Voilà, donc 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Le 9 à la place du 2, ça ferait 15. Mais ici, on a dépassé du coup. Non, ça va pas du tout non plus. Plutôt le 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Avec le 7, on fait 13, 14, 15, et le 9 avec le 2, et après, est-ce que c'est plus? Je sais pas du tout, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ça marche pas du tout. Waouh, c'est si dur, seulement deux déplacements. Là, j'ai quand même pris la place d'un 4. Bon, faut que j'enlève. Mais à comment en seulement deux déplacements je peux le faire? C'est fou! Je me dis, rien qu'en faisant ce déplacement là, j'ai niqué cette ligne qui valait 15, celle-là elle vaut pas 15 non plus, il n'y a plus rien qui va d'un coup, et donc si je veux rééquilibrer, faut que je vienne taper dans cette ligne là, mais il y a tout qui sera déséquilibré en fait. 8, 8, 16, moins 1, 15. Je peux pas les laisser ensemble. Il y a les deux jetons bleus, si je veux qu'il y ait un 15 ici, ils sont obligés de partir les deux. Ailleurs. Il n'y a pas 36 000 choix. Soit je fais venir un 2 ici. Ou un 4. Soit un 3 ou un 5. Soit un 6 ou un 1. Tout en prenant en compte que ici, tous les 15. Non, pas d'indice, non, rien, je veux pas savoir. Je cherche par moi-même, mais je me sens vraiment bloqué. Le truc me saute pas aux yeux. Mais si le 6 il vire, on va remplacer par quoi? Non, putain, j'y arrive pas. Oh,
Mais en fait, ça me semble trop impossible avec seulement deux déplacements de jetons. Déjà rien que là, le 9 et le 6 ils peuvent pas rester sur la même diagonale. Je suis obligé d'en bouger un. Ou lui. Ou lui. Mais on va laisser le 6. Parce qu'il a déjà fait sa ligne de 15. Et eux, je suis obligé de les bouger parce qu'à côté ils sont trop. Et il peut pas aller là, c'est impossible. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il faut aller chercher le 6. Mais c'est pas possible. 6, 7, 8. Alors, à moins que le 3 va finir ailleurs aussi. Alors, si je fais quelque chose comme ça. Mais là, je bouffe cette colonne, en fait. Là, cette colonne, elle avait 15. Et là, je la transforme, sauf si... Attends, il y avait 1, j'ai mis 9. Il y avait 8. Ça se fait quoi, 9? Non, c'est impossible. 9 et 6... Ça fait 15 déjà, c'est impossible. Donc je suis obligé de garder. Donc je peux mettre le 9 que ici. Je bouge pas le 5, ça fait 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et le 1, mais alors le 1 il se met là. Mais c'est pas possible. Cette diagonale fait jamais 15. Après là-haut ça ferait 9 plus 7, mais ça n'a aucun sens. Je visualise pas. Ça me prend la tête, je me sens con et surtout j'ai putain je serais tout seul, je m'en foutrais de mettre 2 heures dessus, mais là j'ai la pression du live et je me dis putain Farod, plus tu mets du temps, plus les gens ils vont quitter le live parce qu'ils s'ennuient, tout ça, et t'avances pas. Et ça me fout une vraie pression, je t'avoue. Parce que ce qui fait qu'en général je craque et je vais regarder la solution sur internet. Mais putain j'aurais bien aimé la trouver par moi-même celle-là. Comment en deux déplacements je peux, avec ce mouvement, je peux réparer la ligne du bas et réparer la ligne du haut. Et la ligne du milieu n'est même pas bonne. C'est fou, c'est une énigme qui a pas d'indice en plus, t'es obligé de la faire, tu peux pas continuer le jeu si tu la fais pas. Elle est fatale cette énigme. Oh, on sait pas combien elle fait de picarates. Et j'ai peur que la solution soit tellement simple.
je y arriverai peut-être mieux avec des notes, peut-être. Donc on a dit, là on a 15, là on a 15, là on a 15, et là on a 15. Ce qui fait que logiquement, il ne faudrait pas toucher cette ligne, il ne faudrait pas toucher cette colonne, cette colonne, cette colonne. Donc il n'y a que des trucs à bouger entre ces 6 là, mais en les bougeant comme ça. Je vois pas en fait. Le 9 là, si je le mets là-haut, ça fait 9, 10, 11, 12, 13, ça marche pas. Là, il y a beaucoup trop. Le 9, je le mets. Et non, je dois les bouger en colonne. Mais rien que là, ça marche pas du tout. Et puis, il faut que je fasse une diagonale. C'est ça qui me bloque la diagonale en fait aussi. 9 plus 3, ça fait. Et 12. Pour arriver à 15, il faut un deuxième 3. Il n'existe pas de deuxième 3, c'est pas possible. 9 plus 6, ça fait déjà 15. Donc 0, ça n'existe pas. Donc le 9 ne peut pas rester là. C'est impossible, il doit bouger. C'est évident. Où est-ce qu'il doit bouger maintenant? À moins que je vais bouger deux trucs de la diagonale. On crée le 15 ici. Et donc on garderait le 9. Et peut-être qu'on aurait, 4. Faisait 13 et 2, 4, 4, donc le 4, le 2 serait là, et le 2 irait là-bas, pas possible, parce que du coup on dépasserait, on serait plus à 15 ici, donc 5, donc on aura un 5, et 9, ça fait 14, et 1, hop, ça marche, et le 5 si je le fais venir là, ça ferait 5 plus 6, 11, plus 3, 14, ça marche pas. Donc 9 et 6 peut-être, ça nous fait 14, le 6 ici, le 1 je le mets là-haut, donc ça nous fait 15, et donc j'ai dit, donc le 6 ici j'ai dit, ça nous ferait donc 6 et 4, 10 plus 9, 19, c'est pas possible, 9 et 7, ça... attends, 9 et 6, ça fait pas 14, ça fait 15 en fait, donc c'est pas possible, je dis de la merde. 9 et 3, ça fait 12, donc il nous faudrait un autre 3, c'est pas possible. 9 et 2, ça fait 11, donc il nous faudrait un 3 ici. Je prends le 3 ici, je le mets là, clac, ok. Attends, qu'est-ce que je raconte? C'est pour la diagonale que je parle? Donc 3. Je suis perdu, ça y est. 11. Pour faire. Attends. Il faudrait 9, 2 et 4. 9, 2 et 4. 4, je le mets là. Mais 4 et 2, je le mets au milieu. N'importe quoi. 2, je le mets là-haut. Non, je sais pas. Ça va me changer la ligne qui était déjà à 15, je sais pas. J'arrive pas. Allez-y, vous pouvez me donner la réponse, je suis désolé, j'abandonne. Je vous autorise à me spoil, j'y arrive pas du tout. Je me sens... Je suis dégoûté. Je suis désolé. Tu as des indices? Ah non, je crois pas. Je crois pas, non. Non, je crois pas. Je peux faire glisser toute une colonne avec un jeton. Quoi? Quoi? Attends. Mais on peut pousser les jetons, mais c'est complètement stupide, pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt? Donc c'était vraiment impossible en fait ce que je cherchais à faire depuis un quart d'heure. Parce qu'on peut pousser les jetons. C'est pour ça que toucher est en orange, vous ne pouvez toucher que deux jetons. Donc en fait, avec le jeton, je le touche et je déplace les autres comme ça, là. Oh non. Est-ce que je peux faire ça? Ah, je peux pas pousser eux et ensuite pousser ceux d'en bas, d'accord. Ok, si tu veux. Enfin, j'accepte pas, mais si tu veux.
Écoutez, ça relance tout le jeu, en fait, je me sens trop bête de pas l'avoir su avant. Mais c'est la faute du jeu, c'est pas ma faute à moi. Ok, ok, ok. Ok, est-ce que je peux mettre le jeton entre deux? Non, je suis obligé de pousser toute une ligne. C'est pas du tout intuitif. Ok. Super. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça marchera pas, ça. Parce que j'aurais bien aimé avoir le 5 ici pour faire 9, 10, 15, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ça aurait marché. 3 plus 6, 9 et 9, 18. Ça n'aurait pas du tout marché. Faut qu'il se barre le 9, il m'embête beaucoup trop. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ça marche pas non plus. Dommage, hein, j'avais un truc qui fonctionnait un peu. Il est chiant ce mot, il est chiant. Je vais me mettre au milieu. 9, 10, 11, 12, 13, ça marche pas. 4. Attends, j'ai bloqué le 2 ici alors qu'on avait déjà 15. Donc ça fait... j'ai enlevé... Il manque 2. Il manque un nombre à 2 chiffres. Genre le 8 par exemple. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok. 9. Putain, 9 et 6 sur la même ligne. Mais pétez les couilles, c'est pas possible. Ça ne fonctionne pas. Ça marche pas ça. Ou alors j'ai juste à inverser le 9, 10, 11, 12, 13. Ça marche pas non plus ça. J'arrive pas à compter. 9. Oh, ok, d'accord. Et là-haut, on va faire popper le 14. Donc ça fait 9, 10, 15. Là-haut, on a 7, 8, 9, 10, 11, 12. Non, pas. Je voulais amener le 1 là-haut, mais ça ne leur convient pas. Sauf si je fais ça. Non, non, amener le 1 là-haut ne convient pas. Ouais, 7 et 9, non. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, 7, 8, 9. Ok, avec 6, ça marche. Mais 9 et 6 sont encore sur la même ligne, ça ne marche pas. Et 5, ça fait 14. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, c'est bon. Là-haut, c'est bon. Mais non, la ligne du milieu, elle fait 6. Bête. J'ai rien changé là-dedans. Attends, en tout cas, ça marchait bien. C'est quoi le truc là? 9, 10, 11, 12, 13, 14. Le 6 et le 9, il faut surtout pas qu'ils soient aussi proches en fait. 7, 9, 10, 11, 12, 13. 8 et 10. Non, ça servira à rien. 8,
en déplacer qu'un seul. Ah, c'est intéressant. Non, ça m'intéresse pas du tout. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 9 et 6 sont encore sur la même ligne. Oh, mes couilles. Et 7, 4 et 1, ça peut pas être une ligne qui existe non plus. Je peux pas faire en diagonale. Mais d'accord. Dommage. Alors. Heureusement que la musique est bonne. La musique est vraiment agréable. Sur la même ligne, je vais péter un câble. En fait, le 7, 8 et 9, il faut que je les... Ils peuvent pas être sur la même colonne ou je sais pas quoi. Donc, obligé, il faut que je les mette sur la diagonale qui nous intéresse pas. Est-ce que si je le mets là-haut, que j'en passe avec le 4, ça marche? Pas du tout. 10 et 7... 7 et 4, ils peuvent pas être sur la même ligne non plus. Il n'y a pas 36 000 solutions, hein. Si c'est seulement deux déplacements. Donc, si je les place comme ça, ils sont sur pas la même ligne, pas la même colonne, ça marche aussi en fait, je m'en rends compte. D'ailleurs, en parlant de ça, ça marcherait pas un peu ça? 7. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 9, 10, 15. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En ligne, on est bon. J'ai rien bougé normalement en colonne. C'est plutôt pas mal ça. Je vais dormir moi, je vais me coucher. C'est bon, j'ai fait le taf. Ouf. Ouf. Combien de temps ça m'a pris? 43 minutes pour faire ça. Eh ben putain. Mais c'est pas possible, comment ça se fait que vous connaissiez des trucs pareils? Je vous tire le chapeau duquel je n'ose me coiffer. Jamais je n'aurais songé à pousser ainsi les jetons. Vous me flattez, vous pouvez à présent constater que la somme de chaque rangée... Mais en fait, tu sais pas, et t'as pas internet. Waouh, comment ça peut te venir à l'esprit que tu peux bouger les jetons en fait? Oh, je sais pas, tu pètes un câble. Tu abandonnes le jeu à ce moment-là en fait. Le jeu est terminé là, pour toi. Oui, mais c'est bon, on a compris que ça faisait 15 ans. Merci Loki. Encore Loki ECS qui a offert deux autres subs et qu'il a lui-même sub en Prime pour la première fois de sa vie. Bienvenue. Merci beaucoup, tu as été très généreux ce soir. Merci Claire LRS qui a sub en tier 1 pour la première fois de sa vie. Bienvenue à toi aussi. Merci à Meme56 qui a resub pour son 9e mois. Hello. Merci à Psycho46 qui a resub pour son 13e mois. Et merci à Roblin20 qui a resub pour son 11e mois. Un carré magique, bien vu. Vous avez raison, je me vois dans l'obligation de vous déclarer champion de ce défi. Non mais c'est abusé, j'avais gagné avant lui. Cher monsieur Rivers, soyez grand seigneur et allez-vous-en la tête haute, malgré cette cinglante défaite. Je vous en ficherai, moi, des cinglantes défaites, vous allez tous me le payer très cher. Ah, mesdames et messieurs, nous allons couper le micro quelques instants. Incroyable. Je vous remercie du tact dont vous avez fait preuve, monsieur. Je n'avais pas envie d'ajouter une émeute au casino à la liste des soucis de Monsieur Dumont.
Tout le plaisir est pour moi, une solution aussi élégante doit être acceptée, surtout par mon illustre personne. Merci à vous aussi, monsieur, je n'ai pas eu le temps de me présenter, je suis Drake, rien que ça, le gérant du casino, et je vous suis redevable. Ravi de faire votre connaissance, je suis le professeur Layton. Et vous ne me devez absolument rien, je suis simplement heureux d'avoir pu trouver une solution pacifique à ce conflit. Je m'en voudrais trop de voir cet élan honorable perdu, et veux bien me sacrifier pour recevoir une récompense. Je vois, comment vous appelez-vous déjà, Narcisse ? Repassez au casino à l'occasion. Je n'y manquerai point. Bien que fugace et impromptu, j'espère que mon intervention aura rendu extraordinaire la fin d'un jour ordinaire. Pète un petit peu beaucoup plus haut que son cul, lui. On aurait vraiment dit un coup monté. Ce n'est pas grave, nous ferions mieux de reprendre notre enquête à présent. Oui, après trois quarts d'heure perdue, ouais. Ouais, carrément, ouais. Ouais. Une énigme cachée quelque part, peut-être. Mis à part lui, à qui on pourrait parler. Non, rien, rien de particulier. Alors parlons-lui, il a une énigme, c'est formidable. Je suis désolé pour les événements de tout à l'heure, professeur. Ce n'est rien, le calme est revenu à présent. Oui, merci. Il est vrai que nous avons souvent des clients émotifs, le casino les prend rapidement en charge. Je suis content de ne pas avoir eu besoin d'en référer à Monsieur Dumont. Henri Dumont est-il impliqué dans le bon fonctionnement du casino? Oui, j'éprouve beaucoup de respect pour son attention aux moindres détails. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais que cette histoire futile ne parvienne pas jusqu'à lui. Vous avez ma parole. Parfait, j'ai entendu dire que vous étiez féru d'énigmes, acceptez celle-ci en récompense pour tout à l'heure. Le sujet de cette énigme est un bandit manchot assez spécial de notre casino. Et Loki qui remet ça. Loki qui remet ça. Qui a offert 10 subs. Loki ECS, merci énormément. Je regarde un petit peu à qui t'a offert des subs. Il y a des gens qui n'avaient pas sub pour leur première fois. D'autres, ça faisait 24 mois. D'autres, 23. D'autres, 1 mois, 2 mois, 1 mois, 6 mois, 1 mois. Vraiment très très généreux. Merci la prime de Noël. Ah ouais, d'accord. Incroyable. Putain, très très généreux le Loki. Je t'en suis très reconnaissant. Pour moi déjà. Parce que ça me fait des sous-sous. Et pour tous ceux que tu régales dans le chat, là. Des gens qui n'avaient jamais été sub ou quoi, qui vont avoir accès aux emotes, aux petits cœurs à côté de leur pseudo. C'est super gentil de ta part, Loki. T'es une belle personne. Alors, le bandit manchot est assez particulier. La série de chiffres qui apparaît à chaque fois que vous l'activez suit une certaine logique. Vous devez trouver cette logique et prédire le prochain nombre à 4 chiffres affichés par la machine. Touchez les chiffres sur l'écran tactile afin d'inscrire ce que vous pensez être la série suivante, puis touchez le bouton du bandit manchot pour vérifier votre prévision. Faites attention toutefois car vous ne disposez que de 5 essais. Donc la suite est ça. 3-0-1-1. Je vais devoir me l'écrire, non ? 3-0-1-1. 3-1-1-2. Alors attention. 3-1-1-2. 3-1-0-1. Donc il y a une suite logique. Hein. 3-1-0-1. Je crois deviner déjà. Ça va être une histoire de... Oula! Ok. 28-0-2. Est-ce que je peux la relancer encore une fois ou pas? 3-1-0-3. J'ai peur de niquer le... Le père des picarades si je la relance encore une fois. On va déjà essayer de trouver par rapport à ça. Alors est-ce que ça diminue? Non, là ça augmente, puis ça diminue, puis ça diminue, puis ça re-augmente. On passe de 11 à 112. On décale les numéros, non. Alors attends. Je réfléchis là. Après ça part sur 28, c'est fort ça 28. Tu peux relancer une fois, on me dit. Ok, attendez. Je ne pouvais absolument pas relancer une nouvelle fois en fait. Je ne pouvais pas. Et j'ai pas noté le numéro qu'il y avait écrit. Dommage. Dommage, j'ai perdu des picarates pour rien. Il avait écrit quoi comme numéro? Attends, pourquoi il y a 3004 maintenant?
Qu'est-ce qui se passe? 3000... Attends, bon, je suis en train de tricher en fait. Mince. Je me suis trompé. Est-ce que je suis en train de tricher là? J'ai relancé un cycle de numéros. J'ai vu les numéros en plus. Hein. Mince. Alors le pire, ce serait qu'on retombe sur les numéros du début et que ça fasse une boucle. Bon là, on s'arrête hein, et on réfléchit. Bon. Et on fait bien une séparation, hein, d'accord, entre les deux. S'il vous plaît. Bon, eh bien, ça m'a pas l'air simple. Ça me saute pas aux yeux, en tout cas. On lui ajoute combien, là? On lui ajoute 101. Pour passer de là à là, on ajoute 101. Et quel hasard, c'est le numéro d'après. Ensuite, pour aller de là à là, on ajoute 11. Ou alors, on enlève 11. Non, on tombe à 0. Pas de spoil, le chat. Hein. Attention, on ne triche pas. Hein. Ah, il y a des gens qui l'ont déjà trouvé, chapeau. Chapeau, chapeau. Ben, moi, je l'ai pas du tout, écoute. Hein. Là, ça me saute pas aux yeux. C'est bien, t'as un esprit... un esprit bien plus fort. Je vais essayer de trouver, mais ça peut pas être la fatigue quand même. Il est tôt. Qu'est-ce que ça peut être? J'essaie de prendre numéro par numéro en colonne, ça marche pas. La somme de tout ça, ça fait 3, 0, 1, 1, ça fait 4, c'est pas ça. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 0, 1, 1, 8, 1, 0, 1, 0, 1. Non, il n'y a pas, de, y a pas de logique réelle. On lui a enlevé 11. Et il est tombé à ça. Et le 11, il est au-dessus. Ok. On lui a enlevé... Ah, ça doit pas être une histoire d'enlever, alors. Il y a ça qui repop plusieurs fois, j'ai l'impression. Le 101... Le sang repop plusieurs fois. Est-ce que les numéros sont décalés en diagonale? Est-ce qu'il y a une histoire de lui? Il se met là. Je vais prendre un indice, j'ai absolument aucune piste. Faites attention aux chiffres situés sur les deux rouleaux de droite. Ces rouleaux indiquent un nombre à deux chiffres qui augmente d'une unité à chaque fois. Enfin, presque à chaque fois. Est-ce que ça va être un truc avec des heures? Ah non, c'est 31. Alors attends. 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ah 6, on dirait un truc d'heures. On dirait un système d'heures, comme des minutes, ça s'arrête à 12. 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Logiquement, ça ferait 9 et 0. Ah ouais, putain, ça crée un 10. Puis là, on a fait 30, 31, 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31. Mmh.
pourquoi là il y a un 20, il y a un 8 et un 2. Pourquoi là c'est un 0? Parce qu'il y a 2 1 ici, il manque un 1. Alors je mets un 1 là, mais il y a un 0. Donc je mets un 1 là, il faut qu'il y ait toujours 2 fois 1. Non, regarde là, il y a un 3. Il faut toujours qu'il y ait un 1. Mais non, regarde là, il n'y a pas de 1, il n'y a pas de 1. Le seul cycle que j'ai là, c'est le 30-31-31 que je retrouve ici. 30-31-31. Donc logiquement, peut-être ça devrait être 28 juste après. Mais j'ai absolument rien qui me le... Waouh, vous l'avez, mais vous êtes trop fort, hein. Parce que là, je l'ai pas du tout. Mais vraiment, là, c'est... Waouh, le désert pour moi. Les deux rouleaux de gauche ne varient pas beaucoup. Ils semblent surtout indiquer 30 ou 31. J'ai eu un 28 à un moment donné. Hein. Et ça, il a servi tellement rien cet indice. Les deux chiffres de gauche ont un rapport avec les deux chiffres de droite. Les deux rouleaux de droite vont de 1 à 12. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? J'ai pensé à l'heure, mais ça peut très... Oh merde, putain. Ça peut être des dates. Oh, le 28-2. Ah putain, le 28-2. C'est février. Il y a 28 jours en février. Quelle couille. D'où le fait que juillet et août est à 30... Oh, c'est trop fort. C'est trop fort. Waouh. Ok. Excellent. Donc on sera... à 30 en septembre, si je me trompe pas. Je vérifie. Hein. Ouais, septembre, on est à 30. Waouh, c'est super fort. Waouh, je l'avais pas vu comme des dates. Je me suis peut-être dit, c'est de l'heure. Je me réjouis d'avoir réussi. Waouh. Waouh. Elle est forte, celle-là. Je la trouve vraiment forte. Vraiment, vraiment, vraiment stylé. Ah, vraiment génial. Vous l'aviez depuis des heures et moi j'étais là comme un con. Ah, ça devait être frustrant pour vous, désolé, mais... Oh, la révélation, je suis en mode... Ah ouais, ok, elle était très très bien. Ouais, elle m'a vraiment plu, c'est ma préférée de ce soir. Elle était intéressante, je n'avais encore jamais vu d'énigme de ce genre. J'imagine que vous êtes très occupé par cette enquête, mais n'hésitez pas à revenir à l'occasion. J'aurai peut-être une nouvelle énigme à vous proposer si cela vous tente. Bien, mais... Oh! Ah, ok. Bonjour, une énigme. Toutes ces lumières sont éblouissantes. Elles me donnent envie de jouer. Dites, est-ce que j'ai le droit d'essayer une de ces machines? Tu es vraiment si pressé de perdre de l'argent, Luc? Mais ça a l'air drôle pourtant. Puisque tu as envie de t'amuser, pourquoi n'essayerais-tu pas plutôt cette énigme? Alors, où je sens les numéros qui vont être tournés et retournés. Alors. Sur la table d'un casino, un joueur et une croupière comptent chacun la somme des cartes qu'ils peuvent lire dans le bon sens. La croupière dit « D'où je suis, je peux compter 45, alors que d'où vous êtes, vous ne comptez que 31, je remporte la partie. » Faites pivoter le minimum de cartes pour que le joueur et la croupière obtiennent la même somme. C'est ça, la même somme. Bon, c'est quoi? Il n'y a que les 6 et les 6, les 9, les 2 et les 5 que je peux retourner. Elle a plus que moi. C'est une différence de combien? Ah oui, une belle différence. Le minimum de cartes, donc peut-être qu'une seule carte suffira pas. Si le 9, je le retourne. Donc je lui enlève combien là? Attends, non, je suis gouré. Annuler, annuler, annuler. C'est le 9 chez elle que je dois retourner. Donc je lui enlève 3 et je gagne 3. Attends, je prends des notes. Elle m'a dit... Oh, mes couilles là. Oh, je prends des notes. Donc elle est à... Elle est à 45. Je suis à 31. J'ai retourné le plus gros chiffre, d'accord. Elle perd 3. Donc elle est à 42. Je suis à 34. Et c'est pas suffisant.
Il faudrait taper plus fort. Le 6, je le retourne surtout pas parce que du coup, ça va lui offrir un 9. Enfin, c'est pas très intéressant. Le 8, ça sert à rien. Le 7, non, sert à rien. Ah non, le 5 ne change pas en fait. Ah, le 5 reste un 5 et le 2 reste un 2. Autant pour moi. Mais attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Il faut qu'ils aient la même somme. Qu'est-ce que je vais pouvoir pivoter? Attends, mais de mon côté... Attends, excusez-moi, mais... C'est quoi, ça? De mon côté, c'est pas un numéro, ça? Excuse-moi, je vais compter. On se remet en normal, d'accord? Et ça, c'est quoi, un L? Ça veut dire quoi? Je le compte pas, ça. Alors, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31... D'accord! En fait, moi, de mon côté, je compte ni le 4, ni le 3, ni le 7, parce que ça représente rien. Ah, mais ça change beaucoup de choses. Ok, alors imagine, je lui retire le 7 et je me l'ajoute. Ça fait du 41. Ah, oula, non, attends, c'est beaucoup trop. Alors, je retire le... Je lui enlève le 3, elle tombe à 39, et je me l'ajoute, je tombe à 37. C'est pas bon, je lui enlève le 4 et je m'ajoute... Ouais, je pensais ça. J'enlève le 4 et je m'ajoute le 4. Elle tombe à... Moi, je tombe à 38. Elle tombe à 38 aussi. Voilà. Donc, je dirais que c'est ça. J'ai bougé deux cartes. Alors? Alors? Je ferai mieux la prochaine fois. Oh, merde. Qu'est-ce qui commence, ça? Qu'est-ce que... Oh là, attends. Je recommence. Qu'est-ce que j'ai foiré? Je recommence mes notes. Elle est à 45, je suis à 31. Donc le 9, je le tourne. Chez elle, ça devient un 6. Et moi, ça devient un 9. Donc je gagne 3. Je passe à 34. Et elle perd 3. 42, ok. Le 4, je lui retire le 4. Donc elle tombe à 38. Elle a juste perdu 4. Et moi, je m'obtiens un 4. Et je fais plus 4, 38. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pardon, mais... Vas-y, je recompte. 9, 9, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ça, je compte pas. 27, 28, 29. Je compte pas. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Je suis à 38. Et elle, de son côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On le compte pas. 7, 8, 9, 10, 11. Là, c'est un 6. Donc, ça fait 17... Là, c'est un 7, donc ça fait 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Là, c'est un 8. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Et là, c'est un 6. 33, 34, 35, 36, 37, 38. Donc, le jeu est en train de me dire que je peux le faire avec un seul déplacement. Et pas deux. En fait, j'en ai fait trop. Parce que ça, c'était bon. Donc, elle est à 45 et moi à 31. Donc je vais lui supprimer le... Si je supprime le 7, j'arrive à 38. Et elle, 40. Ah ouais, merde, en fait, j'ai juste à faire ça, je crois. Puisqu'elle tombe à 38. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Ah merde, putain, c'était... Oh, je suis con. C'est bon ? Facile. Ouais, trop facile, ouais, comme tu dis. Putain, il y a Loki qui continue à régaler. Loki qui régale. Loki, c'est la fatigue, et pourtant, je me sens pas fatigué, mais... fait peur, hein. Loki qui régale, merci encore Loki, hein. C'est incroyable. Il va faire 30 subs ce soir. C'est incroyable, t'es un ouf, t'es un ouf. Écran,
écran, bien sûr. Est-ce que ta curiosité est satisfaite, Luc ? Oui, merci, mais quand même, j'aurais bien aimé essayer ces machines. Oh, Luc, ça n'en vaut pas la peine, fais-moi confiance. Il va te faire douiller. Casino est toujours roi. Ça, je prends. Ok, une table. Des gens qui parlent. Oh. Une pièce, est-ce que je ne vois pas ? Est-ce que... l'enquête. Ah, je devais sortir, ok. Je n'ai pas vu le temps passer, nous devons nous rendre au parc épique aussi vite que possible, c'est vrai. Si mes souvenirs sont exacts, le parc épique se trouve au nord de la ville. Enfin, je vais enfin pouvoir voir ce fameux parc épique. Allez, on y va. Je vais le maître du masque avec ses prodiges. Allez, on va regarder ici. Là, comme ça. Alors, dis-nous tout. Bienvenue au parc épique, le parc qui vous propose un voyage fantastique. Enfin, c'est ce que dit la pancarte. Mais je vous connais, vous êtes le clown que nous avons croisé juste après l'accident des statues, vous. Bravo, Sherlock Holmes. Non, moi, c'est Hercule Poirot, pour le coup. C'est bien moi, Ronchon, le clown, à ton service, ou pas. Au fait, il paraît que le maître du masque va faire une autre bouffonnerie ce soir. Super ! J'ai fait tout un tas de cauchemars à cause de cette histoire de statues, j'ai rêvé qu'elles essayaient de m'attraper. Vous avez vu ce prodige de très près, pas vrai ? Monsieur Ronchon, nous espérons attraper le maître du masque avant qu'il ne frappe à nouveau. Super, ça me fait... Quoi ? Vous comptez attraper ce fou et faire cesser mes cauchemars ? Vous êtes quoi ? Les enquêteurs au grand cœur ? Les soldats de la joie ? Enfin, si vous voulez essayer, faites-vous plaisir. Malheureusement, je ne peux pas vous laisser rentrer si vous n'avez pas résolu 50 énigmes. Ne t'inquiète pas, j'ai le compte. Parfait. Allez, voilà, vous êtes trop fort, l'entrée est gratuite, elle s'en valable une semaine, je vous signale, vous n'allez pas dire... que je vous fais des cadeaux minables, estimez-vous heureux d'avoir droit à ce traitement de faveur. Trop de blabla, trop de blabla, trop de blabla, bon vent, trop de blabla. Il est un peu bizarre quand même. Ça doit faire partie de son numéro. Alors. Allons-y vite. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Prenons le tram. Non. Non, c'est bon. J'avais pas compris ce que c'était. Ok, mais bien pour se déplacer plus vite. Allez, c'est Halloween ou quoi là ? Un conseil, tiens bien ta casquette. Elle s'en va, mais... Oh, c'est Rayquaza ! Ah, elle a la tête de vertige, j'aime pas. Guidez-moi jusqu'à ce gredin masqué, je vais lui montrer de quel bois grosse qui se chauffe. Ce sera difficile, nous arrivons tout juste. Je ne vois pas d'autres policiers dans les environs, attendez-vous du renfort ? Sheffield a décidé que Dalston était le coupable et jugé inutile d'envoyer des hommes ici. Oula, c'est très dangereux. Le commissaire aurait quand même pu faire un effort, il a beau être sûr d'avoir arrêté le coupable, la sécurité des gens est en jeu. Mais cela ne change rien au fait que nous devrions commencer nos recherches, n'est-ce pas, professeur ? Oui, nous devons trouver le maître du masque avant qu'il n'agisse. Figurez-vous que je vous ai devancé et que j'ai trouvé le premier indice. En arrivant ici, j'ai trouvé une affiche indiquant « Le prodige fera un nouveau tour ». Je reconnais là le style théâtral du maître du masque. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous ? Je dois y réfléchir. Mais nous n'avons pas le temps. Vous pouvez rester là à réfléchir, moi je vais lui parler du pays. Le voilà reparti. Tant mieux, tant pis. Occupons-nous de cet indice, le prodige fera un nouveau tour. Le mot tour, nous sommes dans un parc d'attractions, cela pourrait donc évoquer un tour de manège, ou un manège qui tourne sur lui-même, comme le carrousel derrière toi. Qu'y a-t-il ici comme manège ? La grande roue, le carrousel, un autre ressemblant aux tasses ? Oui, les tasses font des tours aussi. N'oubliez pas les montagnes russes. Sur quelle attraction devrions-nous enquêter en premier ? Je vois que tu meurs d'envie de les essayer, il est donc normal que cette décision te revienne. Ah, j'hésite entre les... Ah, mais j'ai pas vraiment le choix. À moins que je puisse regarder le carrousel. Le carrousel qui fait des tours sur lui-même. Il apparaît encore Waluigi dans le Layton 3DS. Pour l'instant, on l'a pas vu. Je sais pas si quelqu'un connaît la réponse. Pouvez le dire. Je ne vois rien de particulier dans ce carrousel. Ce serait pas déconnant qu'il apparaisse après, tu me diras. Vu que c'est des épisodes qui se passent avant lui. Non ? Ah bon, eh ben, il apparaît pas. RIP Waluigi alors. Ah non, ça se passe pas avant. Attends, j'ai un doute. Ça se passe avant ou ça se passe après ce qu'on fait là ? Après le premier, je veux dire. J'ai oublié. J'aurais dit avant, mais j'ai un doute.
Mais c'est toujours avant. Oui, c'est toujours avant, d'accord. C'est bien ce que je pensais. Ça se passe avant le premier, ok. Donc on aurait pu voir la genèse de Waluigi et comprendre pourquoi Layton et Waluigi ils sont aussi... ils se détestent autant et tout ça, et... Bah, bien qu'on l'a déjà vu, mais on aurait pu en voir plus. Mais bon, si vous me dites non, alors non. Le prodige fera un nouveau tour. Oh, regardez, professeur, il y a une affiche. Belle trouvaille, lui qu'il semble s'agir d'une énigme. Ah, okay. Oh, je connais, on avait fait exactement la même énigme, mais avec des fruits, je me rappelle. Ces panneaux joliment... Alors du coup, voilà. Ces panneaux joliment illustrés peuvent être assemblés de manière à former des chevaux de 4 couleurs différentes. À l'aide de ces 9 panneaux, il est possible de former 12 chevaux complets de couleurs unies à l'intérieur du cadre. Hélas, on dirait que quelqu'un s'est amusé à faire pivoter les panneaux un peu n'importe comment, les couleurs sont toutes mélangées. Remettez de l'ordre dans l'illustration en faisant pivoter. Ah, on connaît. Celle-là, on va la laisser comme ça, on va pas la toucher. Mais après, on peut les déplacer. Ah, on peut pas les déplacer! Oh, mais c'est simple alors si on ne peut pas les déplacer. Il y a juste à... Attends, il y avait quand même une énigme à 45 picarates, voilà. Là, ça commence... Attends, on peut pas les déplacer, vraiment? Ça me semble quand même un petit peu fort étrange qu'on puisse pas les déplacer, tu me diras. Non, attends, c'est pas possible. Je peux pas les déplacer, mais c'est trop bizarre. Il y a juste à essayer un par un jusqu'à que ça marche. Là, ça bloque, donc c'est pas ça. Non, ça marche pas. Comme ça. Là, ça marche. Attends. Oui, ça marche. Ça marche. Ça marche. Tout marche. Tout fonctionne là? Vous me confirmez? Clac, 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 clac. Oui, tout marche. 45 picarats. Vérifions cette hypothèse. Mais, pardon? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai dû négliger un détail. Bah, enfin. Oh, attends. Où est le problème? Je le vois pas. Ou alors j'ai mal lu l'énoncé. Ah, à l'aide de cet inferno, possible de former 12 chevals complets de couleurs unies. On dirait que quelqu'un s'est remetté de l'ordre dans ses illustrations en faisant pivoter les panneaux pour reformer les 12 chevals unis. Attends, les 12? De quoi les 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Attends, je suis désolé. Le bleu, le noir, le blanc, le bleu. Orange. Oh, génial, je l'avais pas vu. Oh putain, c'était deux culs au même endroit. Oh, génial. Et là, on avait un girafarigue. Oh non, génial. Donc, cul-tête, 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 cul-tête. Oh, c'est génial. Oh putain, comment je suis con, je l'avais pas vu. Ok, putain, ça m'a... Je suis ravi d'avoir relevé le défi. Je n'ai vu que de la couleur, je n'ai pas vu des formes. Ok, putain. Mais du coup, on avait fait exactement la même ligne, mais en plus, les carrés, on pouvait les changer d'endroit et les pivoter, et c'était super dur, par contre. Et celle-là, elle méritait 45 picarats. Celle qu'on vient de faire, elle en méritait pas 40, elle en méritait une trentaine, même pas. Qu'a-t-il, professeur? L'énigme est basée sur les chevals du carrousel. Peut-être veut-il que nous les regardions de plus près. Je m'en charge. Merci, Amy. Vous pensez que cette énigme a vraiment été laissée par le maître du masque? On peut le penser, il a montré qu'il avait l'habitude de ne négliger aucun détail lors de ses mises en scène. Je me demande bien ce qui va se passer ce soir. Professeur, regardez un peu ce que j'ai trouvé sous un des chevals. C'est tout à fait fascinant, merci pour les GG le chat. Le masque du chaos est dessiné sur cette carte. Il semblerait que nous ayons là une carte de visite, je me demande si le maître du masque en a laissé d'autres. Eh bien dans ce cas... Hey, je te connais toi. Dommage, il a pas d'énigme. Oh lolo, mais ils veulent nous aveugler avec leurs lumières. Quel boucan en plus. Et je vous parle pas de l'odeur. J'ai beaucoup trop chaud avec ce bulbe. Ah merde, putain. Non, l'écran, merci Maluga. Désolé le chat. Mais pas moyen de trouver un bulbier dans cette fichue ville. Eh bien, le voilà, le prodige du jour. La longueur de la barbe de monsieur. Amy, ce n'est pas très poli de faire ça, en plus il a juste fait pousser naturellement. Oh, laisse tomber mon petit go,
Les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus de respect pour leurs aînés. Oh lol. Oh lol. Oh lol. Ce prodige dont tout le monde parle, est-ce qu'il y vaut au vol lieu? Moi, avec toute cette humeur qui coule de partout, je peux pas vous dire que je n'y les trouve plus. Ça marche, mon pote. On va aller voir le manège là-bas. Alors, le petit manège. Toi, t'as peut-être une énigme. Non, pas du tout. La fille s'est encore perdue. Je lui ai dit de m'attendre près des citrouilles si ça devait arriver. Elle est très éveillée et se laisse distraire par à peu près tous les ballons, les clowns, la boue. Si je peux faire quoi que ce soit pour vous aider, ne vous dérangez pas pour moi. Elle viendra tôt ou tard comme toujours. Enfin, si le maître du masque revient ce soir, je ferai mieux de la retrouver pour la protéger. T'as pas l'air très inquiète, hein. Si Bonnie le voit, elle va le poursuivre jusqu'à sa cachette. Je ne voudrais pas qu'elle devienne son apprenti. Tu es une... pas très bonne maman. Hein. Enfin, je veux pas te vexer, je veux pas te juger, mais un peu quand même. Hein. Oh, mais je connais ce manège, c'est les tasses. Enfin, vous ne trouvez pas qu'elles font peur? En effet, cette version a été nommée Trancitrouille. C'est bien moins tentant que des tasses de thé géantes. L'atmosphère de ce manège n'est toutefois pas déplaisante. Il s'intègre bien au cadre du parc, à tout le moins. Quelque chose cloche avec ces citrouilles. Hein. Oh, intéressant ce qui se passe. Alors, dis-moi tout. Voici les Trancitrouilles, une déclinaison du très populaire manège des tasses que l'on retrouve dans de nombreux parcs de loisirs. Tout comme les tasses, ces citrouilles sont rotatives, d'accord. Donc tout cet énoncé ne servait à rien. Juste, posez-moi la question, parmi les 5 citrouilles, une est différente des autres, laquelle? Celle du milieu, elle a l'air de tourner plus vite. Ah non, elle tourne aussi vite que la orange en haut à gauche. Ah non, c'est sur l'histoire des couleurs. Jaune, violet, bleu, rouge. Jaune, violet, rouge, bleu. Jaune, violet, bleu, rouge. Jaune, violet, bleu, rouge. Jaune, violet, bleu, rouge. Donc c'est la B. Elle fait jaune, violet, rouge, bleu. Voyons voir. J'ai regardé les visages, c'était pas ça. J'ai regardé la vitesse de tournage, c'était pas ça. C'était les couleurs en fait. Pas mal. Je crois que quelque chose est caché près de cette attraction. Laissez-moi m'en occuper, rien ne peut échapper à l'apprenti du grand professeur Layton. Attends que le manège s'arrête avant d'inspecter, d'accord? Et Amy a raison, Luc, mais je te fais confiance, je sais que tu ne feras rien d'inconsidéré. Professeur, avez-vous la moindre idée de ce que le maître du masque compte faire ce soir? C'est difficile à dire, mais le fait qu'il ait choisi un lieu aussi fréquenté m'inquiète. Quelqu'un va finir par être blessé. Professeur et Amy, regardez, j'ai trouvé cette carte. Bon travail, Luc. Maintenant, c'est le masque du chaos. C'est un message du maître du masque. Que veut-il nous dire? Je ne sais pas. Oh, bah tiens, il y a une énigme. Ah, bah oui, c'est une autre attraction, j'avais pas capté. Le prodige fera un nouveau tour, c'est... Pardon, j'ai skippé. Elle se déplace un peu bizarrement, non? Vous avez raison, Amy, je crois qu'elle ne tourne plus. Elle ne tournera plus très longtemps. Est-ce qu'elle serait cassée? Alors, énigme 90. Oh non! 70 picarats, quoi? Le mécanisme de contrôle de la grande roue est en partie endommagé. Il va falloir le réparer en reconnectant le circuit principal. Vous devez pour cela amener le segment de câble jaune jusqu'au bas de l'écran entre les deux sections. Oh là là, ah oui d'accord, ça. Je dois l'amener là en bas, d'accord. Oh là là. Tu sais que je suis pas fort pour ces trucs là. Oh, lui il est bloqué, il bougera jamais d'ici. Ah, je peux le déplacer ça. Oh, c'est intéressant. Bon, déjà ça, j'ai pu le baisser comme as. Attends, on va y aller comme ça, petit à petit. Ah, vous préférez peut-être l'écran comme ça. Et oui, bien sûr, je suis désolé, je suis une merde. Pharo de la merde, bonjour. Alors. Il faut
faut que ça... je vois ce que nous allons faire à peu près. Oh, c'est embêtant ça. Oh! Pour une longue énigme. Je vous le dis d'avance et je m'excuse d'avance aussi. On est parti sur quelque chose d'assez long. Embêtant. Embêtant. Je peux pas faire grand chose. Ouais, je suis en train de revenir en arrière. Juste parce que lui me bloque fort. Comme le fromage, le bloque fort. En fait, je crois que je suis parti du mauvais pied. Je crois qu'il faut tourner dans l'autre sens. Donc on recommence, c'est lui qu'on va devoir emmener là-haut. Et faire suivre le machin comme ça. J'en ai bien l'impression. Enfin, après on va voir si c'est possible. Ça pue, hein, ça pue un peu. Hein. Quoique, c'est pas trop dégueu ce que je viens de faire là. Si c'est dégueu. Quoique non, c'est pas si dégueu. Ça bloque bien. Ça bloque bien et ça bloque fort. C'est ça qui me gêne. Faut que ça je le baisse un peu. Pourquoi faire déjà? Je dois le baisser. C'est pas simple ces énigmes là, elles sont pas simples du tout. Je suis bloqué. Oh là là, c'est terrible. Ok. Oh. Oh, j'avais jamais fait ça encore. Tiens. Alors, je reviens en arrière. Ouais, c'est une bloque de ouf, toi. Je reviens complètement en arrière, on est d'accord. Quoique pas vraiment. Comment j'ai fait cette histoire, moi? Je suis même pas rendu compte, tiens. Ok, putain, mais qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai fait ça, moi? J'ai pas compris comment j'ai fait pour me débloquer ça. Par contre, là, je suis full bloqué, je peux rien faire. Lui, il peut pas monter. Ah! Ça m'emmerde. Je suis emmerdé.
Ah, waouh. Ah, putain. Je déteste ces énigmes-là. Je les ai en horreur. Je me sens full bloqué, là. J'arrive même plus à revenir en arrière comme on était avant. Je sais pas quoi faire. Je suis bloqué. Je sais pas comment j'en suis arrivé à cette situation-là. Qu'est-ce que... Comment je fais pour revenir en arrière? Je suis perdu. Ouais, à chaque fois, ces ennemis, elles font une heure de stream. C'est terrible. Comment je peux te faire bouger, toi? Comme ça, peut-être? Tu es si bloqué, putain! Tu es si bloqué! Ah, ça me frustre, je recommence. C'est trop frustrant. De sentir que tout est bloqué et je comprends pas pourquoi. Elles sont affreuses les formes que j'utilise là. Il y a tout qui est bloqué, plus rien. Ah si, pardon, lui il peut bouger, j'avais pas capté. Donc là, je suis parti sur une toute autre stratégie, comme tu peux le constater. Peut-être va porter ses fruits. Pas plus que ça. Quoique, en fait, si je fais ça, je peux bloquer ça là-haut. Et ça va me prendre de la place, cette histoire-là. Ça nous avance pas grand-chose de faire ça, hein. Là, y a plus rien qui va bouger après. J'aurais pas dû suivre ces deux-là, je suis en train de me dire. Pour rien faire, là. Non, il se bloque beaucoup trop. Yeah. C'est chiant. Est-ce que je suis pas en train de juste revenir en arrière? Si. Si, pas mal même. Ça sert absolument à rien ce que je fais. Oh mon dieu, c'est insatisfaisant. C'est très dur. Je bouche les pièces de manière à... ça me sert à rien de... de gagner juste un créneau. Ah, ça c'est pas mal ça par contre. Oh, c'est même plutôt cool. J'ai réussi? Non, peut-être pas encore. Mais je me rapproche vraiment de très très peu. Il va falloir juste... Il va falloir créer beaucoup en fait là.
Oh putain, let's go. Oh. Alors ? Cette énigme et je les aime pas, ces énigmes. Digne d'un gentleman. Et je les aime pas. Waouh ! 70 Picard. Oh oui, oui, je l'ai fait en 18 déplacements, bien sûr, évidemment. Le compte est juste. Aïe, 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 merci pour les GG. Ça m'a pris 16 minutes. Voilà, une minute par déplacement, à peu près. Pas mal. La grande roue fonctionne à nouveau normalement, toutefois, je me demande où est passé son technicien. Professeur, regardez, il y a une carte coincée ici. Il y a le masque du chaos dessus. J'en étais sûr, il se prend pour qui, lui? Merci encore pour les GG, vous êtes gentil. Une carte de visite du maître du masque, je me demande s'il y en a d'autres. Mais oui, il y en a d'autres, il y en a 4 encore. Il y a lui qu'on a fait, lui. Ah, il y a lui là-bas, les montagnes russes, je les ai pas vus, attends. On retourne là. Ah oui, les montagnes russes qui est juste ici, bien sûr. Et c'est pas elle, la petite, là, qui s'est perdue? C'était elle, je me rappelle la dernière fois, je crois. Ouin ouin, je veux ma maman. Mais tu t'es encore perdu, Sniff? Mais non, c'est ma maman qui s'est perdue. Quand je suis Sniff descendu des montagnes russes, elle n'était plus là. Très mauvaise maman. Sniff, Sniff. Ouin. Mais il ne faut pas pleurer, on va la trouver, ne t'inquiète pas. Le putain d'écran, Farod de la grosse merde. D'abord, je pleure même pas, je suis pas content. Désolé, hein, putain, mais merci Malouga de me le redire à chaque fois. Je suis désolé, le chat. J'ai pas l'œil sur le chat, j'ai pas l'œil sur Discord, je suis à fond sur le jeu. OBS, il est tout là-haut, en haut à gauche sur l'écran, je vois pas le retour et je vois pas qu'il vous manque d'écran. Je suis désolé. C'est frustrant. Hein. D'abord, je pleure même pas, je suis juste pas content du tout, maman doit faire attention où elle va. Eh bien, est-ce que ta maman t'a donné des instructions au cas où tu te perdrais? Sniff, oui, elle m'a dit d'aller près des citrouilles. Pourquoi tu n'y vas pas? En fait, juste. Eh ben écoute, tu attendras qu'on résout d'abord l'énigme des montagnes russes et on ira aux citrouilles après. Les montagnes russes n'ont pas l'air d'avoir changé depuis tout à l'heure. Hein. Vous devriez peut-être en faire un autre tour. Sûrement pas. Enfin, je veux dire, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Dites donc, est-ce que par hasard tu aurais peur? Oh, mais pas du tout, c'est juste que nous devrions chercher des indices, pas faire des tours de manège. En y réfléchissant bien, j'ai remarqué quelque chose tout à l'heure quand vous étiez dedans. Vraiment, je me souviens pas d'avoir vu quoi que ce soit d'anormal. Ah oui, ça me revient, regardez cet étrange panneau là-bas, vous ne l'aviez pas vu? Non, je pensais à autre chose. Est-ce que c'est un message du maître du masque? Ce n'est pas impossible, allons le voir de plus près. Oui, je pense que la mère essaie d'abandonner la fille. Oh, ça a l'air intéressant. Vert rempli. Oh, ça me plaît ça. Alors attention. Des panneaux de verre translucide ont été empilés au pied des montagnes russes. Sur chaque panneau est représentée une flèche rouge et toutes les flèches pointent dans les directions différentes. Il y a 4 panneaux au départ, mais quelqu'un a volé. On a volé un parmi les 4 propositions A, B, C, D. Où vous trouvez le panneau manquant? Alors, il y en a 4 empilés, mais il en manque un. Ah. Je devine. D'accord, je devine. Je dirais C. Il manque le C. Pourquoi? Parce que du coup, je vais dessiner ce qu'il y a déjà. En fait, il y a déjà cette forme. Comme ça, avec le B. D'accord? Puis avec le D, il y a aussi cette forme. Je parle du cul de la flèche. Hein. Voilà, ça, on la voit, cette forme. Et le A s'ajoute par-dessus. En mettant ça comme ça, en rouge. Clac. D'accord? Et en mettant en rouge... ça, d'accord? Je te parle de ça et je te parle de ça. Du coup, en fait, pour compléter ça, il manque, eh bien, il manque le C qui va mettre ça ici, ça ici, ça ici et ça ici. Je dirais C. J'espère que je ne me suis pas trompé. C'est pas très dur. Je suis ravi d'avoir relevé le défi. Voilà. Impeccable. Ok. Beaucoup plus simple que l'énigme précédente.
Je suppose qu'elle nous indique la direction dans laquelle regarder. Il y a peut-être quelque chose sous les montagnes russes. Je vais voir. Le maître du masque est vraiment rusé, professeur. Cacher des indices dans des manèges, il faut le faire. Oui, il semble adorer nous manipuler dans cette petite chasse au trésor. Professeur, regardez ce que j'ai trouvé. Mais non, je m'y attendais vraiment pas. Le masque du chaos. Il ne peut s'agir que d'un message. Je me demande s'il y en a d'autres dans le parc. Regardez, professeur, je crois que nous avons retrouvé toutes les cartes. En effet, elles semblent fort... Putain, l'écran. Elles semblent fort... Désolé, le chat. Hein. Elles semblent former un espèce de plan. Je crois que le maître du masque veut que nous nous rendions dans la tour située en haut de la colline. En haut de la colline, oui, je la vois là-bas. Selon notre guide, il s'agit de la tour de pique. C'est la tour de contrôle du parc. Le maître du masque prévoirait-il d'effectuer son prochain prodige depuis cette tour? Elle permet sûrement d'avoir une vue excellente sur l'ensemble du parc. En parlant de vue excellente, je coupe mon micro. Raté. De retour. Professeur, attendez. Bonsoir, Herschel. Henri, Marissa, vous êtes donc venus? Herschel, j'ai fait appel à toi car je te crois digne de confiance. Henri a quelque chose à te dire. Veuillez m'excuser de m'être emporté tout à l'heure. Mon devoir est de protéger cette ville et je suis prêt à tout pour vous aider à arrêter le maître du masque. Merci à vous deux, grâce à votre aide et à vos connaissances de la ville, nous finirons bien par le trouver. Je suis heureux que nous soyons venus à temps. Que savez-vous de ses projets ce soir? Sais-tu où il se cache? Je t'en prie, Herschel, dis-moi que tu as une piste. Oui, je crois bien que j'en tiens une. Il a semé des indices un peu partout dans le parc. Vraiment? Quelle sorte d'indice? Il semble vouloir nous mener jusqu'à la tour de pique, la tour de contrôle du parc. Très bien, allons-y sans plus tarder. Nice, allons-y alors. L'écran est bon. Ah mais oui, mais c'est vrai, et alors la daronne là, on lui ramène pas sa fille. Hein. Bonnie sera là d'une minute à l'autre. Bon. Bon bah démerdez-vous. Que je utilise moins force. Alors. Waouh, c'est ça la tour de pique. On la croit sortie d'un conte pour enfants. Même la tour a l'air d'être une attraction, c'est drôlement bien pensé. En tout cas, c'est le lieu idéal pour une apparition théâtrale du maître du masque. Que nous prépare-t-il? Un mouvement de panique dans une telle foule pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Nous devons trouver un moyen d'empêcher ce prodige. Oh, regardez, professeur, là-haut. Bon, quelque chose va se passer. Il est là, avec sa voix magnifique. On l'entend pas. Vous avez réussi à venir jusqu'ici, vous m'en voyez ravi. Le prodige de ce soir est exclusivement réservé aux quelques élus qui ont su trouver mes indices. Le spectacle commence. D'accord, c'est juste pour nous cinq, quoi. Attendez. Ah, mais vous n'avez qu'à m'attraper. Non, il a disparu dans la tour de contrôle. Henri, attends, peux-tu me dire ce qu'il y a exactement dans cette tour? Il y a surtout des tableaux électriques. En fait, toute l'alimentation électrique du parc est gérée à partir de cette tour. Ces tableaux sont bien sûr protégés afin que personne ne puisse... Oh, oh non! Il pourrait très bien couper le courant dans le parc. Tous ces gens dans les manèges sont en danger. Cela ne serait pas assez théâtral pour le maître du masque. Toutefois, nous ferions mieux de le suivre dans la tour. Professeur, comment va-t-on trouver le maître du masque s'il fait tout noir? Henri, sais-tu où nous pouvons allumer la lumière? Non, je n'ai jamais eu besoin de venir ici. Voyons un peu. Inutile de vous inquiéter, mes très aimables invités. Votre humble serviteur vous a réservé les meilleurs sièges pour le spectacle. Encore un peu de patience. Où êtes-vous, misérable? Ayez le courage de vous montrer. Comment osez-vous menacer ainsi ma ville? Votre ville? Votre ville? Est-ce là ce que vous pensez? En y réfléchissant, j'avoue que ce havre de cupidité et de bassesse est la parfaite image de son créateur. Vous avez fait construire cette ville en hommage à votre pitoyable ego surdimensionné, et j'ai hâte de voir votre tête lorsqu'elle sera partie en fumée. Vous n'avez pas intérêt à commettre un tel acte. Allons, Dumont, un peu de calme, je fais cela dans le seul et unique but de vous apprendre l'humilité. Un jour, vous m'en remercierez. Je vous promets une place de choix pour assister au prodige le plus grandiose de tous les temps. Professeur, il s'en va ? Vite, nous devons absolument l'empêcher de s'enfuir. Non, ça ne servit à rien. Il a disparu. Il ne peut pas être très loin, il est forcément reparti par là. Dans ce cas, nous devons le suivre. Dépêchons-nous. On va se dépêcher, bien sûr. On est 5 dans l'équipe, regarde. Ah, tu le vois pas trop, c'est tout petit au-dessus de ma tête. Oula, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus personne. Ça sent pas bon, ça.
Mais le parc est vide. Où sont-ils tous passés? Oh non, nous arrivons trop tard. Est-ce qu'ils ont juste disparu? C'est impossible, c'est forcément encore un de ces tours. Ah, félicitations, vous faites partie du club très privilégié des visiteurs du parc n'ayant pas disparu. Espèce de monstre, pourquoi vous acharnez-vous contre cette ville? Mais Henri, tout cela, je le fais pour vous, pour que vous puissiez comprendre ce que cela fait de voir disparaître ce pourquoi vous avez travaillé si dur. Je vous dois tant, Henri. Comprenez donc qu'il est naturel que je m'intéresse de très près à votre cas. Ah, ça c'est un cri de souffrance. Marissa, Henri au secours! Attendez, non! Marissa! T'as compris comment il a fait et t'as jamais fait le jeu? Waouh, moi j'ai pas encore compris. Non. Professeur, il a enlevé Madame Dumont. Dépêchons-nous. Ils ont disparu, je suis désolé Henri. Waouh, vous avez pas fait d'effort les gars. Ils sont partis par là, nous pouvons encore les rattraper. Henri, calme-toi s'il te plaît. Non, pardon, s'il avait voulu faire du mal à Marissa, il l'aurait fait depuis longtemps. Hein? Professeur, est-ce que vous entendez ça? Il se passe quelque chose dans la tour de contrôle, c'est peut-être Madame Dumont? Marissa, j'arrive! Henri, attends! Marissa, où es-tu? Henri, je suis là, je vais bien. Dumont, ceci n'est qu'un avant-goût de l'effroi que je vous ferai éprouver, un amuse-gueule en quelque sorte. Mais ça ne suffira jamais, tout ce que j'avais, vous... D'accord, j'ai compris. J'ai compris qui c'est le maître du masque. Ça y est. Merci Yvenet Bxi, Carissa, pour son troisième mois, j'espère que tu vas bien. Oh ben, je suppose que c'est le gars qui était supposé mort dans le passé, du coup, là, le pote de Layton, qui en fait est revenu, il se venge parce que lui, il a récupéré sa femme, du coup. Ce qui est très bête. Mais, ok, ça me saute aux yeux. Donc il n'est pas mort, c'est pour ça qu'ils n'ont jamais retrouvé son cadavre. Ah, je suis ban. Allez, je suis ban. Mais de quoi parlez-vous? Qu'ai-je donc pu faire? Qu'ai-je donc pu vous faire? Allons Henri, je ne peux pas tout vous dévoiler maintenant, le suspense doit être maintenu jusqu'au dernier acte. Sinon il n'y avait aucun intérêt de nous raconter cette histoire et le passé de Layton aussi. Jusqu'au dernier acte? Que peut-il bien vouloir dire par là? Je vous garantis que vous ne serez pas déçus et croyez-moi, il n'y aura aucun temps mort. Quant aux places, ne vous inquiétez pas, ce prodige sera visible dans toute la ville. Ce sera mon plus beau et dernier prodige, rendez-vous demain pour le spectacle! Donc il a finalement trouvé le masque avec ses recherches et tout, et incroyable. Ça suffit! Je ne crois pas que vous soyez capable de m'arrêter. C'est bien dommage, car si vous ne m'arrêtez pas, il y aura de nouvelles victimes. Il y en aura même beaucoup. Pour être franc, je pense qu'on n'a jamais vu de prodige à l'échelle de celui qui se prépare. À présent, mesdames et messieurs, je me vois dans l'obligation de vous quitter. Que nous prépare ce fou? Henri, qu'est-ce que tu vas faire contre lui? Je n'en sais rien, mais je me dois de protéger cette ville. L'autre fois, il a dit que seul le masque de l'ordre permettrait de contrecarrer ses plans. Tu dois le lui donner, Henri. Il fait sûrement partie du trésor que tu as trouvé en fouillant les ruines. Ah bon? Si tu te donnais la peine de bien chercher, je suis sûr que tu le trouverais. Je ne peux pas à ce trésor. Henri, cesse donc de cacher ce masque. Pense un peu à cette ville. Mais Marissa, je ne cache rien. Comment peux-tu dire une telle chose? Si je puis vous interrompre, je ne suis pas certain que nous soyons en sécurité dans cette tour. D'autre part, il nous reste à découvrir ce qui est arrivé à ceux qui ont disparu du parc. Oh oui, bien sûr. Une fois de plus, le maître du masque a réussi à s'échapper. Si vous voulez mon avis, ce qu'il a dit sur le prodige, prochain prodige visible de toute la ville est de très mauvais augure. En effet, il semble prévoir un crime à très grande échelle. Peut-être que tout le monde disparaîtra, ou se transformera en statue, on finira brûlé par des flammes. Peut-être, mais je crains que cette fois il s'agisse de bien plus qu'un simple tour de passe-passe. D'ailleurs, la disparition de toutes les personnes du parc, c'était un tour aussi. J'imagine qu'on n'en aura pas le cœur net tant qu'on ne les aura pas retrouvées. On repart. On va essayer de comprendre la situation. Donc, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tout le monde est revenu, y a rien qu'à changer, personne n'a l'air de paniquer. Comment est-ce possible? Mais ils ont bien disparu. On l'a tous vu, qu'est-ce qui s'est passé, professeur? Oh là, je me le demande aussi, Luc. C'était peut-être qu'un échantillon des horreurs qui nous attendent demain.
Mais pourquoi n'étions-nous que 5 témoins? Il voulait que j'assiste à ce prodige. Oui, Henri, je pense qu'il faut que tu nous dises tout ce que tu sais. N'as-tu vraiment aucune idée de son identité? Est-ce que tu t'es fait des amis? Alors là, je vois pas du tout comment il a pu faire. Vraiment, je ne sais rien, je ne connais personne capable de telle chose. Pourquoi est-il allé aussi loin? Il faut que je rentre chez moi, j'ai besoin de réfléchir et de mettre au point un plan contre ce monstre. Je viens avec toi, je suis épuisé. Bonne nuit, essayez quand même de vous reposer. On dirait presque que ces personnes ne se sont pas rendues compte qu'elles avaient disparu. Personne n'a l'air paniqué, ni même un tant soit peu troublé. Professeur, voilà l'inspecteur Grosky. C'est très bizarre ça, j'avoue, je comprends pas. Layton, je viens de voir Dumont et sa femme sortir d'ici en faisant une tête d'enterrement. J'ai raté quelque chose? Oui, nous avons eu une nouvelle fois affaire au maître du masque. C'est impossible, je n'ai pas bougé, comment aurais-je pu manquer ça? Inspecteur, êtes-vous resté toute la soirée dans ce parc? Bien sûr, je l'ai même passé au peigne fin en espérant trouver ce vaurien masqué. Et autour de vous, les gens n'ont pas cessé de s'amuser? Non, à moins qu'il n'ait fait semblant de s'amuser, vous croyez que c'est le cas? Eh bien non, je n'ai pas insinué... Je n'ai rien insinué de tel. Vous n'avez rien remarqué d'inhabituel. Professeur, on dirait que l'inspecteur Grosky n'a même pas remarqué qu'il avait disparu du parc avec tous les autres visiteurs. Non, mais c'est pas le parc. C'est nous qui étions à un autre endroit, je pense, une simulation du parc. Mais c'est bizarre. Ils auraient dû le voir. Je crois que t'as raison, Luc, c'est là un indice très important, mais il se fait tard, retournons à l'hôtel. Inspecteur, sachez que le maître du masque nous a annoncé un nouveau prodige pour demain. Selon lui, ce prodige sera visible depuis toute la ville. Nous devons donc nous préparer à un événement très important. Allez en parler au commissaire, s'il vous plaît, demandez-lui de placer autant d'agents que possible dans les rues. Entendu, nous nous reverrons demain. J'adore mon travail. Ok, ça marche. Nous ferions mieux d'aller nous reposer. Nous reprendrons l'enquête dès demain. Quelque chose qu'on pourrait voir dans toute la ville. Qu'est-ce que le maître du masque peut bien préparer? Une chose est sûre, ce qu'il va faire surpassera tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Jusqu'ici, il s'est servi de la confusion et de simples illusions pour mettre en œuvre ses tours. Toutefois, s'il compte faire quelque chose à plus grande échelle, il ne pourra peut-être pas s'en contenter. Professeur, est-ce qu'il pourrait utiliser le masque du chaos? Est-ce ce masque qui a tué Randall? Non, c'était de ma faute. Si j'avais été un véritable ami, Randall serait toujours parmi nous. Très 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 étrange. Là, je suis un peu perdu là sur comment il a pu faire un truc pareil. Aïe aïe aïe, on arrive à la fin du chapitre. C'est potentiellement la fin de la rediff. Fin du live. On repart dans le passé ou pas là? Parce que habituellement, les chapitres du passé, ils sont courts, ils durent qu'une heure et on pourrait peut-être se le faire jusqu'à minuit. On est dans le passé. Alors attends, dis-la voir, Herschel. Tu ne regretteras pas d'être venu. Attends, je vais aller vérifier sur un let's play YouTube en même temps il dure. S'il est pas trop long, on se le fait dans la foulée. D'accord? Layton, Mask, Walkthrough. Alors, voilà, on va prendre. Attends, on peut pas l'avoir chapitre par chapitre. Voilà, chapitre par chapitre, j'imagine. Alors. Chapitre 1, 1 sur 5. Ouais, c'est pas du tout ce que je veux. Trou, chapter. Il n'y a pas un qui fait comme ça, chapitre par chapitre, ce serait plus simple. Non. Eh ben tant pis, c'est pas grave. Alors on va le faire autrement. Alors. Nous on était au, pardon. J'ai oublié. C'est le chapitre combien qu'on s'apprête à commencer? Est-ce que quelqu'un l'a retenu? J'ai oublié. Chapitre combien? Qui s'apprête à. Bon, c'est pas grave, je vais peut-être le retrouver moi-même en fouillant. Ah, il s'appelait Les ruines de machin. D'accord. Donc c'est le chapitre 6. Merci le chat, vous êtes fort. D'accord, et le chapitre 5, ça lui a pris combien de temps? Ça lui a pris 2 heures, et moi ça m'a pris 2h49. Et le chapitre 6, ça lui prend 35, 20 et 20. Ça fait du 1h10. Ça lui a pris 1h10. Ah, ça devrait me prendre 1h30 à faire alors. Que ce soit pas le chapitre très long. Ah oui, bah, autant vous demander, ceux qui connaissent le jeu, est-ce que le chapitre est long ou pas? Non, mais je me spoil pas, je regarde juste les miniatures sont toutes les mêmes, c'est la miniature du chapitre et je regarde juste la durée des vidéos en fait. Et je vois chapitre 6, 1/3, 2/3, 3/3.
Apparemment, tout le monde dit que ce chapitre va être incroyable. Oui, il est long. Ah. Celui-là est un peu long. Ah, parce que moi, on m'avait dit que les flashbacks, ils étaient courts en général. Un peu long, mais vraiment chouette. Ah, il y a tout le monde qui s'accorde à dire qu'il est long. Ok. Ok, d'accord. Ok. Alors, on s'arrête là. Et au prochain live, si jamais on le finit tôt, genre en 1h30, 2h, si on le finit à 22h, on entamera sur le chapitre suivant, d'accord. Au prochain live, on fera plus, dans ce cas-là. Ok, bon, bah, on va s'arrêter là, alors, pour ce soir. Très bien. J'étais chaud pour continuer. Le vous quittez maintenant, oui. Mais on le fera alors la prochaine fois. En plus, si vous me dites que le chapitre est cool et tout ça, qu'apparemment il va être trop bien, on va se le garder pour la surprise de la prochaine fois, qui est la semaine prochaine. Du coup, il faudra attendre la semaine prochaine. Du suspense. On sait pas pourquoi, on sait pas comment, on sait pas ce qui se passe, mais tout le monde dit que ça va être incroyable, bien que c'est un chapitre dans le passé. Et les chapitres dans le passé, pour l'instant, ceux qu'on a eu, ils m'ont pas plus... J'étais pas plus en mode « Waouh, incroyable !» J'étais en mode un peu balèque, quoi. J'aimerais revenir au présent et avancer dans l'histoire. Mais je vous fais confiance si vous me dites que ça va être incroyable. Merci encore Loki ECS qui a offert 5 subs de plus et qui a donc offert ce soir 35 subs. Ça, c'est incroyable. Je vais couper la rediffusion. Au revoir YouTube. À la prochaine YouTube. On te fait des bisous. Bye bye.